Pour votre présence pour ce conseil municipal, donc on a un pouvoir, celui d'Élodie qui le donne à Richard. Ok, super. Pour vous, Manu Rala, ça veut, il est là ou il n'est pas là? Il y a un pouvoir? On ne sait pas. Et avant qu'on valide le compte-rendu du précédent conseil et qu'on rentre l'ordre du jour de ce jeudi le 5, Lionel Paco de la maison de l'office de tourisme de l'Hérault bassin de Marenne, nous faire une présentation sur ce qu'est l'office de pôle aujourd'hui, de pouvoir vous présenter aussi donc, vous êtes aux fonctions à Delus, on est allé, et puis du coup on en profitera pour faire un mini point sur le dossier station classée. Paco. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous recevoir. Donc, on vous avait demandé d'intervenir, de réfléchir à une petite intervention sur ce qu'était l'office de tourisme. Et comme on a un peu fait évoluer l'organisation à Delus, on trouvait que c'était le bon moment. Donc, pour commencer, honneur aux dames, je voulais vous présenter la nouvelle référente du bureau de Delus, qui est Karine Pinault, qui travaillait déjà chez nous, qui a fait plusieurs saisons chez nous sur plusieurs bureaux sur l'île de Léron. Et donc, nous lui avons confié la responsabilité de développer donc, le bureau de Delus. Donc, n'hésitez pas à passer à l'office de tourisme, car il est là, avec Kevin, qui est présent depuis plusieurs années. Donc, on a souhaité donner également une nouvelle impulsion à l'office de tourisme. Donc, voilà, vous avez quelqu'un de serviable qui doit travailler avec la mairie, les socioprofessionnels. Donc, si vous avez besoin, je dis toujours que l'office de tourisme est là pour les collectivités, les professionnels, privés, publics, on est là pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, l'idée c'est de créer du lien avec la mairie sur les manifestations, notamment ici, pour qu'il y ait une bonne communication et que le public soit prêt. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à venir voir l'équipe au bureau de Delus. Alors pour vous présenter, je vais faire une présentation rapide, je crois que vous avez pas mal de points à voir. L'idée ce soir c'était de vous présenter ce qu'est l'office de tourisme, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et quelle est la stratégie touristique sur le territoire. Alors, sachez quand même que sur le tourisme sur le territoire a quand même un objectif important. On travaille au développement touristique du territoire pour élargir la saisonnalité. C'est un aspect important. On a un objectif derrière qui est un objectif d'emploi sur le territoire, de proposer de l'activité, de maintenir les jeunes actifs sur le territoire de l'île de Léron, du bassin marin de Léron. Donc pour tout cela, on a mis en place un programme qui vise à diversifier l'offre touristique, parce que élargir c'est la saisonnalité, mais ça veut dire proposer des offres nouvelles, hein, bien évidemment. Donc c'est un travail important. C'est améliorer la qualité de l'offre en général et de l'accueil notamment. Ça fait partie des points qui avaient été relevés. Je vous rappelle qu'on avait fait il y a quelques années, pour ceux qui étaient là, j'avais présenté une étude il y a quelques temps pour montrer l'attente des touristes. On a interrogé nos clients et on voit ce qu'ils nous ont dit. Le gros, c'était de faire un travail sur la qualité de l'accueil notamment, la qualité en général. Il fallait donc professionnaliser l'économie touristique au sens large. Ça passe pour nous par une activité de coordination. On fédère les acteurs, on fédère des clubs, des associations, vous voyez, clubs d'hôteliers par exemple, une association ASMO, assiette saveur pour les restaurateurs, les producteurs, bref. On a essayé de créer des groupes de professionnels. Mais l'objectif de fond, je dirais que s'il y a deux mots à retenir, c'est qualité et saisonnalité. Développer toute une offre. Je rappelle que si on a un complexe aquatique, par exemple, à côté, ça a été fait, là encore, pour proposer de l'activité, pas seulement deux mois de l'année, mais pour pouvoir proposer des activités qui puissent perdurer dans l'année. Mais n'oubliez pas le but originel de tout ça, c'est de créer de l'emploi pour pouvoir maintenir des jeunes sur le territoire. C'est important. Générer des produits touristiques importants, et on va le voir un peu plus loin, renforcer la notoriété du territoire. Bien sûr, c'est le rôle de l'Office du tourisme. Alors, je vous ai présenté quelques missions. Pour faire court, j'ai voulu vous présenter essentiellement ce que vous n'imaginiez peut-être pas l'office de tourisme. L'office de tourisme, bien sûr, vous pensez au bureau qui est dans votre commune, à Delus, où il y a Karine, que je vous ai présenté, et Kevin, que certains connaissent, où on assure l'accueil. Mais ce n'est pas que ça, l'office de tourisme. On a maintenant, depuis que l'office de pôle s'est mis en place, un rôle extrêmement large. Je vous ai dit qu'on voulait développer la qualité. Donc pour cela, on a créé un pôle conseil développement où on développe une politique de qualification de l'offre, notamment
de démarche qualité. Vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être entendu à travers la presse le développement de labels. Alors, je précise toujours que les labels, si on les a développés sur le territoire, c'est pas seulement pour l'image et la communication. S'il y avait des labels très connus du grand public, ça serait, c'est pas forcément le cas. Ce qui nous intéresse, c'est de développer des labels pour respecter un cahier des charges et monter en qualité. C'est un outil qui est souvent très pratique pour faire évoluer les prestations. Et je crois que par rapport au débat que vous aurez tout à l'heure sur la station classée, on est dans la même veine. L'idée, c'est de mettre en place un projet. Il y a une charte, un cahier des charges à respecter. Ça vous permet petit à petit de vous poser les bonnes questions et de voir tous les progrès. Une fois qu'on veut rentrer dans un cadre, il y a des points à respecter. Ces points à respecter vous permettent de faire évoluer vos prestations. Alors, pour vous donner un exemple, on a développé, donc nous, on a une cellule conseil développement dans l'office. C'est le travail de Karine pour tout le périmètre du bassin Marano-Léron de développer notamment le label Famille Plus. Famille Plus, hein, qui est, ben, comme le nom l'indique, un label dédié aux familles. On a de nombreuses familles sur le territoire, mais comment on fait pour, non pas les accueillir normalement, mais dans Famille Plus, il y a plus, vous l'aurez compris, comment on fait pour amener ce plus. Ça peut être, pour respecter le cahier des charges du label, bien, vous voyez, par exemple, avoir une table allongée dans les restaurants, avoir des menus pour les enfants sur les sites de visite, avoir des petits livrets qui vont permettre aux enfants de découvrir tout en s'amusant. Bref, c'est tous les points complémentaires que l'on va apporter. Donc on développe au sein de l'office de tourisme et on porte un certain nombre de démarches. On développe l'étiquette environnementale également, qui est un label, comme le nom l'indique, très orienté développement durable, qui vise à évaluer l'impact écologique d'une nuitée dans les hôtels. Et on va travailler sur tous les efforts engagés. Ça permet, je sais qu'il y a des anciens hôteliers dans la salle, ça permet d'évaluer notamment toutes les dépenses énergétiques et de pouvoir faire pour certains des économies. On arrive parfois à évaluer, si vous voulez, toutes les consommations, tous les produits utilisés au petit déjeuner. On arrive à fournir une liste précise de recommandations, une feuille de route qui permet à certains hôteliers d'économiser plusieurs milliers d'euros dans leur façon de travailler, bien sûr, tout en communiquant plus auprès de leurs clients d'une démarche saine et propre. On travaille également au développement des labels autour du handicap avec Tourisme Handicap, Accueil Vélo. On développe également depuis quelques temps un gros travail sur le tourisme d'affaires, parce que le tourisme d'entreprise est important également, toujours dans mon objectif de saisonnalité, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est primordial. Et puis, notre cellule conseil permet de travailler aussi auprès des chambres d'hôtes, des meublés, des restaurateurs, je vous l'ai dit, avec la filière assiette saveur, et des producteurs à travers la démarche MOPS, que je pense que vous connaissez pour la plupart, où on essaie de valoriser les filières du territoire. Voilà, je voulais vous présenter quelques missions que vous n'imaginez peut-être pas. Alors l'accueil, bien sûr, c'est plus attendu dans un office de tourisme, mais sachez qu'on a souhaité développer à l'office de tourisme une nouvelle forme d'accueil depuis 2-3 ans, un accueil beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne. Vous verrez, on a supprimé un certain nombre de bureaux, le personnel est désormais debout au contact du public. On va développer un petit espace pour les enfants, comme vous pouvez le voir sur le bureau. On a développé une quarantaine de billetteries. L'objectif, c'est que quelqu'un puisse venir chez nous et trouver un maximum de services. On propose du Wi-Fi gratuit, on propose une offre de billetterie et on propose le conseil, bien sûr, pour nos visiteurs, avec toujours des dépliants, des offres. Mais l'objectif est d'être vraiment beaucoup plus offensif, si vous voulez, de proposer une gamme de services beaucoup plus élargie auprès des visiteurs qui viennent nous voir pour organiser leur séjour. Je précise également qu'on développe l'accueil en dehors de nos murs. Vous le verrez par endroits, on a mis des présentoirs dans des boulangeries, par exemple. Ça a l'air de rien, mais notre objectif, c'est aussi de toucher la population locale. On n'est pas là que pour les touristes. Je vous rappelle que nos 12 offices de tourisme sont ouverts à l'année, 12 mois sur 12, on est présents. Donc, bien sûr, on pense aux touristes à certains moments, mais à la population locale. Pour ceux qui sont à la communauté de communes, vous avez peut-être vu l'offre de services sur la mobilité. C'est l'office de tourisme qui a été désigné pour répondre aux habitants qui ont des demandes pour se déplacer, que ce soit le transport à la demande, les bus et autres. Bref, l'office de tourisme donc joue ce rôle à la fois pour les touristes, mais aussi pour les habitants. Propose un nombre de services très importants. Je vous parlais de billetterie, les billetteries de spectacles, de concerts. On a cette offre. Vous voyez, là, c'est clairement adapté à la population locale également. On a une cellule développement.
On a en interne donc, des personnes qui travaillent au développement touristique, à l'amélioration, là encore, de la qualité. Bon, on pourrait en parler des heures, mais je vais faire très vite. On va faire un travail sur la mise en place d'un schéma d'accueil des camping-cars sur le territoire, parce qu'on se rend compte que c'est, on a une demande très forte sur les camping-cars. Il faut organiser et structurer un peu tout ce qui se passe, sinon on est très vite débordé. On mène un travail également avec la filière nautique, où on fédère les acteurs pour mettre en place une démarche qualité auprès des acteurs du nautisme. Et un travail qui est très important sur l'accueil des saisonniers. Vous le savez, on a des milliers de saisonniers qui viennent travailler sur le territoire, et ce sont souvent eux qui accueillent nos visiteurs. Et donc on souhaite faire des efforts envers les saisonniers. On a créé notamment une carte pour eux, pour qu'ils puissent visiter les sites locaux, parce que certains sont du territoire, mais beaucoup viennent aussi d'ailleurs. Donc on souhaite qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance du territoire. On a une petite carte qui leur permet d'aller gratuitement dans la plupart des sites de visite. Pour eux, c'est sympa, c'est un bon accueil. On a un certain nombre de professionnels également qui font des efforts tarifaires et autres pour bien accueillir les saisonniers. Si on a des saisonniers qui sont bien accueillis, qui trouvent des conditions d'hébergement, on sait que ça c'est un autre problème plus complexe, de qualité, s'ils sont en pleine forme, ils seront bien sûr également, ça se ressentira au niveau des conditions d'accueil, ils seront beaucoup plus réceptifs, mais surtout s'ils connaissent bien le territoire, ils pourront mieux aiguiller nos vacanciers. Alors je profite de ce que tu dis pour vous donner deux points d'agenda. Un, il y a la communauté de communes de l'île d'Oléron qui est en train de travailler sur un schéma nautique, justement pour éviter les conflits d'usage sur les activités récréatives en mer et dans les chenaux avec le paddle. Donc il y a un stagiaire qui a été recruté, et là on a rendez-vous avec eux mercredi prochain à 9h, le 14, pour faire un point, parce que notamment, je pense que vous avez suivi, mais l'année dernière il y avait des problèmes à la Réunijas entre les kiteux et le grand public avec l'école de surf. Voilà, pour essayer de chacun trouve sa place. Et concernant le logement des saisonniers, donc le qu'on avait écrit au préfet, au premier ministre, concernant suite au logement des sauveteurs l'année dernière à Caillitières. Donc du coup, il y a peu de réponses. J'ai relancé, et là, le sous-préfet nous a réécrit il y a une semaine, du coup, pour qu'on prenne la tâche des deux chambres consulaires, donc chambre des métiers CCI, et qu'on fasse une réunion avec la communauté de communes pour continuer à avancer exactement dans ce que tu dis, avec l'idée d'avoir un spot pour le centre et le sud de l'île, et un autre spot pour le centre et le nord de l'île, pour le GSL. Voilà, donc autre métier que je voulais vous présenter, là encore, c'est le fait que l'office du tourisme, vous l'avez compris, c'est pas que l'accueil, c'est aussi préparer la suite, et on travaille également en lien avec la communauté de communes, sur les liaisons maritimes, sur les navettes estivales, bref, sur tout un tas de chantiers qui vont bien au-delà des métiers classiques de l'office de tourisme. En termes de promotion, on mène des actions importantes avec des actions de communication. On a quelques télés qui sont là ce soir. On mène des actions de communication vers les médias parce que les médias sont importants. On a un service presse, donc dédié à ça, qui accueille les journalistes sur tout ce qui est touristique, j'entends bien sûr. On mène des opérations publicitaires également sur des chaînes de télé. On aura une opération notamment cette année sur BFM TV et différentes opérations de promotion. Je pense que c'est pas le plus important pour vous, mais sachez que c'est les opérations de communication qui valorisent le territoire. Elles partent aussi de l'office de tourisme. On a un budget dédié à la communication qui nous permet de relayer des messages. Je vous le rappelle quand même, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais l'économie touristique est la plus importante sur le territoire, avec près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc bien sûr, il faut mener des opérations ambitieuses de communication pour valoriser notre territoire. On a, sachez-le également, un service commercial, depuis la création de l'office de pôle, qui nous permet de commercialiser des produits groupes individuels. Je vous ai parlé de clientèle d'affaires tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'office, il y a une structure qui est l'équivalent d'une agence de voyage, qui permet de vendre des forfaits à des groupes qui viennent plusieurs jours. On a des groupes, des entreprises, parfois 200 à 300 personnes, qui viennent sur le territoire pour un séminaire. Et forcément, ça fait bien l'économie touristique locale. Le numérique, vous le savez, a pris une place très importante dans le milieu du tourisme. C'est une activité importante. Pour information, on a un site internet iloleronmarine.com qui fait plus d'1 200 000 visiteurs par an. Donc vous voyez, c'est une grosse machine, hein. C'est un site important, on a une belle notoriété sur le web. Et donc on va encore faire évoluer ce site internet cette année.
On travaille également les réseaux sociaux. On a des communautés sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ça a l'air de rien, mais pour vous donner un chiffre, l'année dernière sur Facebook, on a eu plus de 9 millions de vues sur notre Facebook au regard de toutes les parutions. Donc forcément, c'est un travail important. Tout ça s'est professionnalisé à l'intérieur de l'office de tourisme. Il y a une personne qui a vraiment une mission dédiée à la gestion des réseaux sociaux. Donc c'est une communication qui prend de plus en plus le pas. On développe également des applications sur des activités à faire en famille, également sur le territoire. Et je vous ai donné un exemple, le déploiement d'un système d'affichage dynamique avec des écrans télé qui vont permettre dans les offices de tourisme de pouvoir présenter au jour le jour des activités en fonction de la météo, en fonction du moment de la journée où vous passez. Et on va pouvoir, quand l'office du tourisme est fermé, je crois que c'est le cas à Belus, pouvoir avoir un écran qui donne sur la rue, qui permettra aux gens qui arrivent, je ne sais pas, à 22h, de voir les restaurants, de voir les hôtels qui ont des disponibilités. Bref, on essaie de déployer de l'information en dehors des horaires d'ouverture avec ce type d'écran. On a même aujourd'hui des campings qui nous demandent de pouvoir relayer ces écrans dans leur... dans leurs établissements. Donc voilà, donc on développe également le digital, c'est à l'intérieur de l'office, mais à l'extérieur, comment on passe par tous les moyens pour promouvoir la destination. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. L'idée, c'était donc, je vous le rappelle, de vous présenter l'ensemble de la gamme des produits proposés par l'office de tourisme. C'est à la fois de l'accueil, bien sûr, mais des activités de promotion, de développement touristique. S'il y a deux mots à retenir, je vous l'ai dit, c'est la qualité, c'est la saisonnalité, c'est là qu'on va mener toutes nos opérations. Et donc, pour faire le lien avec le sujet, je crois que vous avez aujourd'hui à étudier sur la station classée, sachez qu'on a deux stations, on a trois communes qui sont classées, qui ont des stations classées sur le territoire, le Château, Saint-Georges-d'Oléron et Saint-Trojan-les-Bains. Plusieurs communes s'y intéressent, donc Deluise-d'Oléron, mais la commune de Saint-Pierre voisine s'y intéresse également fortement, et je crois que Saint-Denis se renseigne également sur le sujet, ils sont intéressés. Depuis que notre office de tourisme s'est mis en place en tant qu'office de pôle, on a mis en place une démarche qualité qui nous a permis d'être classé catégorie 1, c'est le maximum en matière d'office de tourisme, et c'est ça, c'est un des éléments importants qui peut vous permettre demain de prétendre au titre de station classée. Alors c'est un dossier extrêmement lourd, hein. Je crois que vous avez un cabinet qui va vous aider, qui a déjà travaillé sur plusieurs communes sur le territoire. C'est vraiment important, parce que vous le verrez, en termes de démarches administratives, les documents d'urbanisme, les plans d'évacuation, bref, on vous demande, pour l'avoir fait sur les communes de Saint-Trojan, notamment de Saint-Georges, à la fin, c'est deux pavés comme ça à fournir à l'administration, à la préfecture. C'est un travail très conséquent, mais qui peut vous permettre, là encore, à la fois de valoriser votre commune et de bénéficier des dotations qui vont avec, notamment des droits de mutation. En tout cas, ça me concerne moins, c'est plus la part communale, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça participe de ces démarches de qualification de nos territoires. Les professionnels font des efforts pour qualifier leurs établissements. Les communes, donc, également prennent leur part pour s'engager dans des démarches comme celle-ci. Merci à tous. Par rapport à la station classée, une commune qui vit à station classée, est-ce qu'elle a l'obligation d'avoir un directeur de station, ou si, via la mutualisation avec l'office de pôle, le directeur de station, il siège à l'office de pôle, et par rayonnement, de prendre son aura? Si tu te souviens bien, ce qu'on devait dire en place il y a quelques années, c'était ça. C'était le fait d'avoir un office de tourisme à l'échelle de l'ensemble du territoire. Vous devez avoir un office de tourisme classé catégorie 1. Pour avoir ça, il faut notamment avoir un directeur de station. Avec l'office de pôle dont vous dépendez, vous remplissez parfaitement ces conditions. C'est-à-dire que ce qui très concrètement aurait été très compliqué à l'échelle d'une commune de Deluse, d'avoir un office classé avec tout ce que ça entendait derrière, classé catégorie 1. Aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place, c'est pour ça que les autres communes peuvent prétendre de la même façon que la vôtre. Avec l'office de tourisme en catégorie 1, vous pouvez prétendre être station classée. Alors attention, il n'y a pas que ça, c'est pas le seul élément, mais c'était un élément important. Aujourd'hui, vous êtes dans les clous par rapport à ça, donc vous pouvez vous remplissez cette condition. Donc oui, je te rassure, c'est tout à fait, vous êtes tout à fait dans les clous par rapport à ça.
Et donc, Télé, est-ce que tu peux dire juste un petit mot sur ce qui nous a été présenté au département la semaine dernière, sur Infiniment Charente? Alors, Infiniment Charente, ouais, c'était pas prévu, mais pas de souci. Je vous rappelle que touristiquement, il y a eu un rapprochement des deux départements de Charente et de Charente-Maritime. Donc, on parle maintenant de Charente avec un S. Et donc, le slogan dont tu parlais, c'est Infiniment Charente. Mais je l'évoquais avec un S. Donc voilà, c'est les deux territoires collaborent ensemble en matière de promotion touristique. C'est tout neuf là. Et donc oui, c'est très récent. On a eu une présentation il y a peu de temps. Donc touristiquement, c'est l'association de deux départements qui prennent une marque qui est donc Infiniment Charente. Ça sera les comités départementaux fusionnés ou c'est ça. Ah oui. Il y a une structure unique à l'échelle des deux. Il y a un comité qui travaille à l'échelle des deux départements aujourd'hui. Les deux équipes ont fusionné. Moi j'ai une question, mais c'est plus dans la fin des détails. Oui. Je suis allé dans l'office du tourisme pour retirer les billets, les trucs, et je n'ai pas pu payer en carte bleue. Hors saison. C'est tout à fait possible. On est en 2018 quand même. Bon, bien sûr, j'ai pas encore les chèques. J'ai un peu le retour à la maison. Non, mais bon, sur certains bureaux, en fonction des demandes, on avait la carte bleue sur une partie saisonnière, mais très prochainement, on aura l'ensemble. Vous avez raison. Merci. Comme on soutient le même club de rugby, je ne peux pas vous le On a perdu la Gouda, on a ramené le point de bonus défensif. C'est bon, Gouda. Super, ben bon, merci. Merci à vous. Merci. Donc n'hésitez pas à venir voir l'office de tourisme. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Avec, donc nous rentrons dans l'ordre du jour du 5 mars. Concernant la validation du compte-rendu du conseil municipal du 15 janvier 2018, les remarques. Si c'est possible. D'abord, c'est les contres. Voilà. Abstention. Julie. Sabine. Hop, c'est bon. Alors, premier point, modification du tarif d'occupation des trottoirs par les commerçants et création des tarifs d'occupation du domaine public aux activités commerciales. Alors, l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Le montant de celle-ci est fixé par délibération du conseil municipal. L'autorisation d'occupation temporaire est accordée par le maire, par arrêté ou par le biais d'une convention à titre précaire et révocable. Donc à ce jour, seuls les emplacements de marché et les occupations de trottoirs sont soumis à une redevance. Donc, une réflexion a été conduite par un groupe de travail et du agent qui vous propose la mise en place des tarifs suivants. Donc, un tarif des emplacements de marchés journaliers et des marchés de nuit, qui lui serait maintenu suite à la délibération du 25 septembre dernier. Un tarif pour le droit d'occupation des trottoirs fixé par délibération du 25 septembre également, qui lui serait supprimé. Et donc maintenant, on passerait sur les tarifs suivants. Donc, occupation par les terrasses, bars, restaurants, etc. et toute occupation du domaine public à usage commercial, donc hors marché et hors convention d'objectif. En convention d'objectif, ça veut dire une convention qui serait équilibrée de part, enfin la commune avec un organisateur ou un commercial, mais avec un objectif de partenariat, c'est-à-dire que là on n'est plus dans une occupation au mètre carré, mais une occupation en contrepartie d'une animation d'un partenariat divers et varié à définir avec les deux parties. Donc on n'en a pas actuellement en train d'en avoir. Voilà. Donc l'idée de tout l'heure de ce boulot, sur qui on a beaucoup travaillé avec Richard, et après moi je dis juste ça, je te laisserai la parole, je t'explique la philosophie générale, c'est qu'on a une bonne fois pour toutes une harmonisation des tarifs, parce que jusque-là ce n'était pas le cas, et donc du coup voilà, on a essayé de faire quelque chose qui soit cohérent pour tout le monde. Donc ça fait 5 euros le mètre carré par mois quand on a une demi-journée d'occupation, et ce qui fait donc 10 euros par mois pour une occupation à la journée. Alors pourquoi est-ce qu'on a séparé demi-journée et journée? C'est en fonction des services.
notamment pour les restaurants, c'est ça. Voilà. Il y en a qui vont faire hein, le repas du soir et le service du matin, du midi et du service du soir, et puis d'autres qui vont faire que le service du midi. Donc c'était, je pense que c'était important de faire au plus juste, quoi, en fonction de leur période de travail. Quoi. Alors, est-ce que les commerçants ont été consultés, oui, consultés. Bah, ça, ce qui en fait partie de la réunion du groupe de travail, agents élus, y a-t-il eu des commerçants ce boulot qu'on fait maintenant, ça suit les deux ans de boulot qu'on fait avec les uns les autres, qu'il y a notamment dans la rue piétonne et sur l'occupation, sur justement les horaires d'ouverture, de fermeture, les délais, les tarifs, tous ces travaux qu'on mène depuis à l'occasion des marchés ou des événements. Et la deuxième question, c'est combien ça va le coûter en plus? Ça va coûter moins, c'est plus cher, je pense. Alors, ça va surtout être plus équitable. En fait, le but est d'unifier un seul et même tarif pour tout le monde, en fait. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de disparités. Là, ça va permettre de, voilà, en fonction de chacun, de son métrage et de sa période d'occupation, ça va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus juste. Non, mais en clair, par exemple, celui qui va payer, par exemple, 1400 euros, non, combien paye-t-il avant? On peut estimer 448, oui. Ah oui, il faut trop plus, quand même. Bah, mais parce que c'est ça, les... Comment ? Ils le savent, ça va être multiplié par 3 le tarif. Donc c'est à l'année, ça. Oui, c'est vrai que c'est relativement pas cher par rapport à tout ce qu'on voit. Bah, c'est fait des en piétonne et autres. Disons qu'en plus, on profite ça à un moment clé où justement c'est en train de se vendre pour que en fait, les gens qui vont être intéressés par ces établissements-là aient vraiment une feuille de route avant de s'engager dans quoi que ce soit pour pouvoir justement proposer des bilans concrets quoi, avant de se lancer dans leurs activités. Voilà, c'était aussi une période charnière parce que voilà, la petite graine en passe de retrouver quelqu'un d'autre, le restaurant alors qu'il est à vendre aussi. Donc voilà, pour toutes ces nouvelles personnes, sachent où elles vont à l'avenir en fait. Hein. Alors, ce que vous avez dans votre pochette, le document, merci Marie qui l'a présenté, vous donne justement l'état avant-après. Alors, en revanche, il y a un principe qu'on a gardé, c'est le fait que tous les magasins et le mètre de largeur devant leur vitrine, qui lui, ça reste gratuit, comme c'était le cas jusque-là. C'est-à-dire que si tu as une boutique avec une vitrine devant pour sortir des choses, etc., ça, le mètre reste gratuit. Donc ça, c'est pas obligé. La terrasse, donc Richard en a parlé en fonction des deux services. Les canaux alimentaires aménagés en marché, donc c'est 5 euros le mètre carré par demi-journée, donc ça, c'est pareil. Et les distributeurs, ce qu'on appelle les distributeurs automatiques, donc là on a compté en mètres linéaires, c'est-à-dire vraiment c'est la façade commerciale. Voilà. Ça c'est marchand de passe. 3 mètres par jour par exemple. C'est pas les distributeurs. Non. Bon, voilà. C'est déjà de la peine d'aller avoir, mais vous sauvez quoi. Non mais parce qu'en plus les distributeurs, c'est l'espace est déjà compté dans le loyer que paye pour l'occupation du bâtiment. Et en plus c'est dans l'épaisseur des murs. Ouais, voilà, ensuite, donc, ce qu'on appelait les droits de place des emplacements pour manifestation, donc c'est l'emplacement journalier par tranche de 1 mètre linéaire lors des manifestations particulières, donc qu'il soit hors ou sous Tivoli. Donc là, c'est le marché Noël, la fête de la Saint-André, etc. Là, c'est 2,50 euros le mètre linéaire par jour. Voilà, ça c'est le truc, ça peut bouger. L'occupation d'une cabane en bois avec occupation obligatoire pendant toute la durée de la manifestation et les voyages. Hein, on avait dit aussi, hein, important. Donc 30 euros par jour avec caution de 150 euros. Occupation d'un emplacement activité par une personne privée proposant une activité artistique, ludique ou sportive à titre onéreux, c'est 15 euros par jour. Et le stationnement d'un camion magasin, ça n'a pas bougé, 70 euros. Alors, j'aurais une question entre l'occupation du domaine public par les terrasses, bars, des bars de restaurants, et l'occupation du trottoir par des commerces qui ne sont pas gratifiés, qui peuvent être aussi des restaurants, non? C'est quoi la différence? C'est plutôt au restaurant. Voilà. C'est alors, donc, le premier paragraphe, le premier chapitre ça, s'adresse au restaurant. Ouais. On est au mètre carré. Voilà. Et après, on est sur des linéaires avec un champ de profondeur d'un mètre. Le premier mètre est gratuit.
Et là, ça s'adresse par exemple aux galeries lyonnaises, ça s'adresse à d'autres. Alors, les galeries parce que les galeries lyonnaises, la particularité, c'est que leur magasin est en retrait, mais ils sont propriétaires. Oui, c'est propriétaire du linéaire. Voilà. Donc, eux, en fait, c'est gratuit pour eux, puisque ça fait partie de leur loyer, c'est tout à fait différent. Par contre, on est sur un linéaire, et c'est une profondeur d'un mètre toujours. Oui. Ils ont un mètre battu, les galeries. Les galeries, malignement. 1,70, c'est quoi? C'est quelle profondeur? Il n'y a pas de. C'est 1,70, tu veux dire. Parce que là, il y a marqué au-delà du mètre, application du tarif du marché. Voilà, 1,70 par mètre linéaire. Voilà, 1,70 par mètre linéaire. La profondeur. En fait, dès que tu vas avoir plus d'un mètre de profondeur, le mètre supplémentaire entamé. Ah oui. Voilà, correspond à 1,70 en linéaire. Voilà. Tu as une surface de 4 mètres sur ton magasin, tu vas avoir le premier mètre, la bande du premier mètre qui est gratuite devant, mais dès que tu vas vouloir dépasser, dès que tu vas consommer ce mètre-là, ben, automatiquement tu vas avoir le tarif du mètre de 1,70 €. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à fermer ça, le deuxième mètre. Comment ? On n'arrive pas à le visualiser. Faut mettre le... Oh, ça peut être facile à faire. Ouais, parce que si on a fait la pépinière à Saint-Paul et tout, on s'aperçoit qu'à la fin de la saison, les gars, ils en prennent. Oui, ils ne peuvent pas aller. Oui, ils ne peuvent pas aller. Mais c'est vrai que bon, bah maintenant, ça va être. Alors après, le voisin, il va aller dans un. On ne sait pas très bien, mais les clous, là. Mais ouais, oui, voilà. Mais même si tu as les clous. Regarde sur le petit poste, c'était en dehors des clous. Tu recules, les étals. Le distributeur automatiquement, il est considéré comment, là? Eh bien, il est considéré à mètre linéaire. Il est où, Marie? Pardon, je cherche un peu. En fait, ça peut paraître aussi un peu cher, mais il faut penser aussi que c'est un concurrent réel pour le centre-ville, pour le coup. Oui, non, mais voilà. Il est considéré comment? C'est un mètre, deux mètres? Un mètre. Or, on a compté. Deux groupes, pardon. Le distributeur à pain. Un mètre, en mètre linéaire. Ouais. Il est considéré comme un mètre. Je l'ai considéré avec la dégâts de 1 mètre. Donc là, on avait donc pour si on parle du distributeur à pain, ça coûterait un mètre linéaire, donc c'est 3 € par jour. 90 euros par mois. Et donc en complément, compte tenu des. Alors ça c'est un truc que. Alors quand ça bouge, c'est quelqu'un qui dit. Voilà. Ah d'accord, je vous le dis. Donc par ailleurs, compte tenu des faibles recettes encaissées après déduction des frais au titre des connexions internet via la Wi-Fi mise à dispo des usagers de l'aire de stationnement du complexe sportif, il est proposé plutôt d'instaurer le principe de la gratuité, comme exactement ce que disait Lionel pour le fils, merci, ouais. Et de reporter en conséquence cette délibération en date du 3 juillet 2017 qui fixait les tarifs de connexion. En fait, jusque-là, en plus, il fallait qu'on passe par système, parce qu'on n'est pas droit, nous. Oui, c'est ça. On ne peut pas par le PayPal, on ne peut pas fonctionner, mais c'est lui qui c'est un système. Non, c'est pas marqué. Non, vous ne l'avez pas, c'est que j'ai rajouté là. Ah bon. Parce que grosso modo, je crois que sur la première année, c'est combien de 70 euros. Ouais. Je crois. 62, je crois. 62, peut-être. Je crois que c'est beaucoup, en résumé, c'est beaucoup plus d'emmerde que d'autres choses. 62 euros net. Après, voilà, ça fait partie des services qu'on accorde toujours aux autres. Il faut mettre son temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires pour l'occupation? Quelqu'un contre? Quelqu'un s'abstient? Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci Richard pour ce boulot. Et bravo Marie d'avoir activé dans tout ça. Alors, donc, du coup, on reste toujours dans la thématique de la saison. Recrutement des saisonniers. Donc, pour l'année qui arrive. Donc, après discussion avec Laurent, directeur des services techniques, l'analyse de ce qui s'est passé l'année dernière, l'évolution et la gestion des manifestations, et proposer la chose suivante. Donc, deux saisonniers, juillet-août. Un, plusieurs renforts bâtiments, donc principalement avec Joël, les peintures dans les écoles. Et un renfort espace vert. Ensuite, un saisonnier juin-septembre, là c'est pour la tournée des plages de l'espoir, sur les poubelles. Et saisonnier avril à août, donc là qui travaille avec Alain, en taillot, pour le fauchage, ce qu'on appelle le détourage. C'est en fait ce qui permet d'avoir la machine qui passe et ensuite derrière, je vais faire gardien. Alors ensuite, donc il y a eu. Comme vous le savez, les contrats aidés ont été arrêtés.
En ce moment, donc, Fabienne est en train de travailler avec Pôle emploi, c'est ça, pour maintenant ce qui s'appelle les PECS. PEC, parcours emploi et compétences. Oui. Grosso modo, le statut qui remplacerait, ou qui est en cours, si vous avez des infos, Sylvie ou Pascal, sur ce type de dossier, qui remplacerait le principe du CAE. Donc, alors, il est proposé, plutôt des emplois à l'année à 22 heures semaine, de recruter des saisonniers à temps complet sur la période de pousse d'herbe, c'est-à-dire d'avril à septembre, ce qui représenterait en définitive moins d'heures de travail, donc pour les deux saisonniers, 1820 au lieu de 2288, mais forcément, on perdra les aides de l'État parce que les 10 CAE n'existent plus. Donc, considérant qu'un des CAE est en pause jusqu'en juin 2018, il conviendrait donc de recruter un saisonnier de avril à septembre à temps complet et un autre de juillet à septembre à temps complet, ceux-là, du coup, remplaçant les anciens saisonniers qui existaient, qui étaient la même masse budgétaire. Les recrutements s'effectueront sur la base de l'indice correspondant au premier échelon du grade d'adjoint technique et les crédits inscrits à l'article 64.13 du budget. Vous avez autre chose, Marie, pour ajouter? Et donc, bien entendu, donc c'est Fabienne qui s'occupe de tout ça. Et dès qu'on aura les infos sur les PEC, donc là, le principe, parce que j'en ai compris, hein, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui viennent sur un poste précis, formation organisée en interne. Nous, ce qu'on avait fait l'année dernière, en plus de la formation obligatoire, on avait rajouté la formation également d'éducation sociale et familiale. Ça, pour aider sur la partie papier, reste, hein, et pour qu'ensuite la personne, quand elle quitte, parce que c'est des périodes de 8 à 12 mois, ça veut dire, mémoire, l'année dernière, 12 mois, ouais. Allez, quand la personne quitte, voilà, qu'elle soit mieux armée, c'est autre chose. La différence des parcours, c'est que, en fait, on a, jusqu'alors, il y avait des conditions qui étaient écrites, on savait qui pouvait rentrer dans les CAE, alors que là, sur ce parcours-là, a priori, seuls les conseillers sur Pôle emploi définiront en fonction, voilà, on mettra une offre d'un emploi, et eux, en fonction de leur dossier, verront s'ils ont un profil qui correspond et voilà, qui serait susceptible d'être. C'est la différence. On a moins de main. Nous, là, il faut qu'on questionne Pôle emploi pour savoir si, effectivement, en fonction des emplois que l'on a, si on peut effectivement proposer, si les gens qui les occupent actuellement, ces CAE, seraient bénéficiaires, susceptibles de bénéficier des nouveaux emplois. Voilà. On attend. Question complémentaire. Ok, quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Alors, point 3, toujours pareil, recrutement. Donc, en CDD pour remplacement d'un congé maladie, vous voulez faire un point, Marie? Oui, voilà, c'est juste là, c'est en fait, on a l'habitude de remplacer les agents qui sont en congé de maladie sur une longue durée. On les remplace en général par des agents qui sont mis à disposition par le centre de gestion pour éviter d'avoir à faire un recrutement en direct. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas recruter en direct, mais il nous faut un conseil municipal qui pour délibérer sur la période. Donc, ça complique un peu administrativement. Donc, habituellement, on passe pas en conseil municipal. Et on a une délibération qui autorise le conseil de maire à contractualiser avec le centre de gestion pour la mise à disposition d'agents pendant la période de congé maladie. Sauf quand on connaît la période comme là, on a une période où on avait un conseil municipal, on avait la possibilité de recruter en direct et on économise 5% de frais de gestion. Donc c'est la raison pour laquelle là on peut se permettre de le faire en direct. Voilà. Et on a en face, à chaque fois qu'on remplace, c'est parce qu'en face on a notre assurance prévoyance qui nous rembourse, qui nous reverse les indemnités journalières. Voilà. On a une franchise de 15 jours à chaque arrêt, mais au-delà de 15 jours, ça ne compense pas complètement le remplacement, mais on a quand même une ressource. Des questions? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci. Alors, budget. Donc, en fin de conseil, Marie, je crois que vous avez préparé les enveloppes, c'est ça? Oui. Autour de Raël Côté. Je vous rappelle que vous avez reçu l'invitation pour la dernière commission des finances qui avait eu lieu le 20 février à 18h. Elles sont ouvertes à tout le monde. La prochaine, c'est. Non, c'est. Le 29, j'ai noté, mais j'ai vu comme on avait changé de date. Le 22 mars, le jeudi 22 mars, c'est 18h. Pardon, excusez-moi. C'est ça? Commission par 18h.
Oui, oui, oui. Bien. Oui, ça, c'est pas moi. C'est bon, excuse-moi. Je crois que c'était bien. Oui, ma pauvre Marie, elle est sur le agenda de notre Jean-Pierre. Et t'en as deux. Donc c'est bon, tout le monde est noté. 22 mars, 18h. D'accord. Donc du coup, comme chaque année, on a le droit et l'opportunité de lancer des dépenses d'investissement avant le vote du budget, ce qu'on avait fait l'année dernière pour la journée de Salvador Allende. Il faut que ça reste sur des... je sais plus que c'est le montant. C'est le quart. Il faut qu'on a reste. L'autorisation dans la limite du quart des crédits inscrits l'année dernière. D'accord, ok. Et... C'est sûr, on a voté. Oui. 2-3, on a voté. Oui. Hein, on vote quand même, on est bon, okay, donc autorisation de dépenses. Du coup, là-dessus, donc, il propose au Conseil d'engager avant le vote du budget. Donc, comme l'a expliqué Maryse, parce qu'on est toujours en dessous du quart de ce qu'on avait dépensé l'année dernière. D'une part, la réalisation d'une voie en concassée sur le domaine de la Caletière, donc c'est poursuivre celle qui est au-dessus du pigeonnier pour aller au bout de la dernière barre. Et d'autre part, la desserte de l'ensemble des barres donc en réseau, ce qu'on a commencé pour les deux premières, c'est-à-dire eau, élève, téléphone et tout à l'égout. L'idée étant de mutualiser le matos tant qu'il est sur place, notamment les engins de chantier, pour un montant estimé à 35 000 euros, parce que là, c'était partie des premiers devis estimatifs qu'on a reçus. On va être en dessous, mais comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on demande un premier devis pour avoir une idée de l'enveloppe, ensuite on le valide en conseil, et après on fait comme d'habitude en devis, mais voilà, ça sera en dessous. Crédits nécessaires sont alors inscrits d'office au budget 2018. L'idée étant, grâce à ça, on a suite à ce boulot, les quatre barres donc, qui s'appellent P6, P7, P8, P9, selon le jargon qu'on a là-dessus, qui maintenant, du coup, seront toutes équipées eau électrique, tout à l'égout, et la partie carrossable, qui du coup fait le tour par le dessus pour redescendre derrière la dernière barre. Les travaux seront en mars. Ouais, on a trouvé une chose. Bon, c'est pas le coût des travaux, 35 000 euros, c'est pas énorme. Mais quand même, la philosophie générale, on est en train de réhabiliter les anciennes barrages de la colonie. Donc, ça voudrait dire que donc, c'est des réseaux, c'est de l'eau, c'est du courant, c'est du téléphone. Ça veut dire qu'on considère qu'on va les conserver. C'est vrai que y a pas, sur le long terme, on n'a pas vraiment une super projection. Moi, j'aurais plutôt vu ces habitats plutôt péjoratifs de les détruire. Et puis on est sur des surfaces existantes et puis faire autre chose plus loin. Donc ça veut dire que voilà, les 35 000 euros, bon. Quelque part, voilà, donc c'est pas possible, si tu veux, avec toutes les discussions qu'on a en ce moment dans le cadre de la révision du PLU avec les services de l'État sur ce type de zone. Si tu détruis le bâti tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas le reconstruire. Donc là, il y a question d'empirer. Tu peux uniquement réhabiliter l'existant, ça fait un moment qu'on le sait. 35 000 balles, c'est pas énorme non plus, mais en vrai, ça veut dire, voilà, on a l'existant, on va s'arranger avec ça. Bah, l'idée, si tu veux, c'est que... Et le dimensionnement des voiries, est-ce que par exemple, si une barrette peut être amenée à recevoir des véhicules lourds, bah, il faut prévoir, quand on fait justement de l'empirement, il est question de faire une voirie lourde. Une voirie automobile, c'est 45 cm. Enfin, je parle sous le contrôle de l'ancien ingénieur de la DVE. Une voirie lourde, c'est pratiquement 80 ou 1 mètre. Hein, c'est ça, à quelque chose près. Voilà, mais c'est vrai que s'il peut y avoir un traiteur, quelque chose, ça peut être probablement un site qui va être lié à l'événementiel, à la manifestation. Donc là, il y a du lourd, il peut y avoir un SMI avec des écrans qui se déplient, voilà, des écrans plein jour pour faire des manifestations, tout ça. Voilà. Là, on est parti. Faut pas qu'on fasse du ski, quoi. C'est vrai que. Non, mais t'as deux niveaux. C'est-à-dire que si par exemple on est sur une zone d'activité, typiquement celle qu'on est en train de refaire pour le tout à l'égout sur la zone de la Jarrie, là tu sais que de par l'activité typiquement météo, là avec ces bus, dès le départ, il faut qu'effectivement tu aies une structure de couches, bicouches, etc. soit acceptée parce que tu vas avoir un passage régulier qui est lié à l'activité. Là on est en remettant dans l'occasionnel là-dessus. Donc justement avant d'engager des gros frais paris sur l'ensemble du truc, en attendant qu'on sache exactement quelles seront les dispositions des uns et des autres, c'est la version optimum qui permet de pouvoir se servir de l'ensemble des potentialités du site sans avoir à ce que ça coûte une blinde, sachant que l'intérêt pour ce qu'on appelle l'eau, l'élec et le tout à l'égout, c'est d'avoir la tranchée qui part depuis les réseaux qui existent aujourd'hui au coin qui est en face de chez Virgile, à la Caletière, qui là le réseau historique sur lequel la colonne a toujours fonctionné, et qui dessert les angles
de chacune des barres. Là, on n'est pas dans le boulot, dans toutes les barres, etc. C'est au moins de se dire, une fois que les réseaux sont faits, si demain, vous allez, au moins ce truc-là, il est fait. Et après, l'idée de le faire ensemble, c'est quand la machine est là, c'est la même qui fait trancher. Et toutes les barres sont conservées. S'il y en a qui étaient vraiment endommagées, on conserve tout. Là, on est là, oui. Détruire en tout cas. Je voudrais poser une question. Là, c'est la première fois, moi, à mon sens, que je vois un budget voté à la calcaire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu des travaux de fait. Et est-ce qu'on pourrait savoir exactement le montant global des travaux qui ont été effectués à la calcaire depuis un an et demi, deux ans? Parce que je n'ai jamais vu passer de budget alors, précis à ce sujet-là. Donc justement, ça c'est un super boulot qu'ont fait Noël, Jacqueline et Carole. Là, comme ça, justement, on a demandé d'avoir une lecture analytique, ce qu'on n'avait pas jusque-là, parce qu'en fait, on n'est pas obligé, comme on est commune, de 3500 habitants. Mais justement, pour que ce soit plus lisible et plus clair, on a demandé ce boulot-là qu'on nous a présenté à la dernière commission des finances et qui sera du coup, donc vient à la prochaine commission des finances, pour qu'on voit poste par poste et bâtiment par bâtiment. Et là, grosso modo, si tu veux, sur la réhabilitation donc de la, on va dire, la partie est de la première barre, qui est celle qui a été rénovée, plus les premiers travaux, parce que quand on dit tout à l'égout, il a quand même fallu un peu bosser, parce que je ne te cache pas que comme le truc avait été entretenu depuis 20 ans, ben, tu le sais, forcément, tu avais des racines, etc. Là, de mémoire, je crois que c'est 45 000 euros en tout, tout qui a été fait en régie, en comptant et le matériel acheté et le temps de travail des collègues via le logiciel Artelis qui ont été mis dessus, notamment Joël qui a fait un énorme boulot pour mettre le coup de peinture extérieur et le coup de peinture intérieur. D'accord. Et l'idée ensuite, si tu veux, l'intérêt de faire ça, d'avoir une gestion analytique par bâtiment, c'est comme on est en train de partir sur un suivi de plus en plus précis des fluides, c'est déjà le travail que fait Philippe, tu sais, à aller voir les compteurs partout, etc. Comme ça, on va avoir le coût d'entretien gros up, on va dire, et ensuite le coût de fonctionnement à l'année, là, pour faire le pilotage. D'accord. C'est vrai que, bon, je rejoins un peu Daniel, dans le sens où, à l'époque, quand on avait voulu faire la Grange des Arts à côté de la crèche... La feu, Grange des Arts. Mais quand je vois, pour 70 000 euros, comment je devais manierer, parce qu'il fallait agrandir le réfectoire, et que ça passait jamais, et d'année en année, on repoussait la Grange des Arts, elle a fini par s'effondrer, la pauvre, mais bon. Et que là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont entreprises, il y a du boulot qui est fait, il y a de l'argent qui est dépensé, forcément. Et puis, voilà. Il y a aussi eu beaucoup de bénévoles. Sous l'ancienne municipalité, ça ne marchait pas comme ça. On oublie de dire qu'il y a eu beaucoup de bénévolats quand même. Il y a des gens, ils se sont arrachés les mains. Pour l'herbe, ça c'est bien. Non, mais moi je parle, apparemment, il y a eu les volets, enfin, je ne sais pas si les volets, mais les fenêtres, tout un tas de choses qui coûtent relativement cher. Ça doit quand même avoir un montant assez élevé quand même. Ah, parce qu'en fait, le principe des huisseries, ça c'est ce qu'on appelle sur l'autre partie de l'apéro bricolo, c'est qu'en fait, comme tout a été pété, hein, tu vois le truc. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du plexi qui coûte le moins cher, et en fait, on a gardé une huisserie, on va dire, de qualité par. Qu'est-ce que t'as dit, sur deux, je dis. Un sur deux. Bah non, mais non, même on a fait moins, justement, parce que ça coûte moins cher, mais on a fait une par face. Parce que tu sais que les barres, en fait, elles sont toutes faites pareil. La pièce, c'était le lieu de vie des gamins. En fait, elles font toutes 12. Les pièces des bouts. Merci, Julie, les pièces des bouts. Elles font toutes 12 sur 3-4 de large. Donc on a mis une seule fenêtre par bout. Ensuite, et on avance comme ça au gré. Là, tu parles du réfectoire, là, hein, où était le réfectoire, hein. Non, on parle de la première barre. Ah non, d'accord. Non, mais je parle de le réfectoire, il n'a pas été. Non, le réfectoire, on n'a mis que du plexi. Ah d'accord. Non. Parce que le toit, il était quand même. Il y avait de l'amiante dans le toit. Non, en fait, c'est pas de l'amiante. Comment ça s'appelle le flocage, Ouais, un flocage, ouais. Bah, on n'a jamais su trop. Pas d'amiante. Ah bon, d'accord, mieux analysé. Bah, c'est pour ça qu'il y a des gens dedans. Oui, parce que dans la somme dont je te parlais, merci Patrick, premier boulot qu'on a fait, si tu veux, c'est le bureau d'études. C'était qui? Veritas. Ouais, je crois que c'était Veritas, ne décrachez plus. Un des deux, à qui on a demandé de passer pour la structure, solidité du truc, plus le contenu. Quoi. Bah, mais c'est pas aussi de la viande. Ah oui, c'est bon. Non, mais la question que je pose, c'est parce qu'on n'a pas eu depuis un an et demi beaucoup de visibilité
sur l'ensemble des travaux, il n'y a rien eu de précis, on ne sait pas où... Voilà. Il y a beaucoup de bénévolat. Donc, oui, non. Je suis d'accord, il y a du bénévolat, mais enfin, je pense qu'il y a eu de l'argent de dépenser. Ouais, sachant que, pour rappel, de toute façon, vous le savez, parce que c'est vous qui avez signé l'achat à l'époque, c'est 73 000 euros, hein, ou 72 900, je crois maintenant, je crois qu'on avait ça un peu cette année, capital plus intérêt, de toute manière. Oui, enfin, ça. Ah, oui. Donc ça, on va pas laisser cramer cet argent-là sans rien faire sur la qualité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord, j'ai une question. Ouais. Lors de la commission de voirie du 10 octobre dernier, on a avancé un budget de 60 000 euros. Alors, est-ce que ces 35 000, ça va venir en réduction du budget de 60 000 euros de voirie, ou est-ce qu'on aura quand même 60 000 euros tout de suite ? Bah, de toute façon, là, le budget, on n'a pas encore voté, et là, les 60 000 de voirie, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est le fait qu'on les ait chaque année, parce que de toute manière, il y a besoin de les mettre, même si vous pouvez mettre le double, voire le triple, ce ne serait pas si pire. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plan, c'est d'où l'intérêt d'avoir fait, sur le budget d'avant, je ne sais pas si tu te rappelles, un plan pluriannuel d'investissement. Pour justement inscrire ces grandes lignes-là, et justement elles ne bougent pas. Donc on conserve nos 60 000 euros. Oui, c'est ça, ouais. Bah, et ce qui fait d'avoir un peu comme on l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire un gros projet, donc là la rue aux Alars, qui a mérité des tranchées de dernière minute. Pour mémoire, il y a le passé du 2 pour 6 000 euros, le chemin des lignes 22 500, la Paris 1300, et Bourg-Père, non, enfin tout, il y a 100 000 euros. Bon, faire, c'est 45 000 euros, mais on est peut-être coupé. Oui, voilà, c'est ça. Et l'idée, en fait, dans l'idéal, c'est ça, c'est de pouvoir faire une route importante et ensuite les aménagements de réponse. Après, le 2. Non, mais ça, on avait voté, donc on peut faire. Ouais, bien sûr. En revanche, le vrai souci de fond qu'on aura, c'est si on veut, sur la durée, comme exactement ce qu'on est en train de vivre au village du 2, continuer à vouloir réaménager des bourgs et des centres-villes de hameaux qui n'ont pas du tout été faits pour la bagnole, de continuer à vouloir les adapter à la voiture, parce que le principal problème de là-bas, c'est ça en fait. C'est un endroit qui n'a pas du tout été fait pour les bagnoles au départ, et que là du coup est explosé passage après passage, parce que chaque race garde n'importe quoi. Voilà. Bon, ceci étant, 35 000 euros, c'est vrai que c'est pas un budget. L'intérêt justement, c'est de mutualiser le matériel, tu vois, pour le et la tranchée. Alors, quelqu'un est contre. Moi, je voudrais dire autre chose, que la Caillière, c'est quand même un lieu emblématique. Est-ce qu'il s'y fait ? C'est emblématique du projet communal, et j'aurais trouvé ambitieux et à la hauteur de nos ambitions de réfléchir à des solutions écologique pour la rénovation de ce lieu, et notamment bah, qu'on se laisse le temps de peut-être réfléchir à ce qui ne serait pas pertinent de mettre en place une piste d'épuration, ce qu'on a déjà évoqué. Bon, là, on ne se laisse plus le choix de réfléchir à des projets comme ça. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi d'aller vers l'autonomie énergétique sur un lieu comme celui-ci, quand une fois qu'on a un regardement électricité, on ne fait plus ce retour en arrière d'un choix d'une autonomie énergétique sur un lieu comme ça. Donc je trouve un peu regrettable qu'on ne se laisse pas ce temps d'ancrer ce projet-là dans une dimension plus écologique. Alors après, ça n'a rien à voir, un raccordement énergétique et production d'énergie renouvelable. Ça n'a rien à voir, si on veut être autonome, si on n'est pas envie d'être raccordé au réseau EDF, on ne peut plus faire marcher rien une fois qu'on est raccordé. On peut produire, mais on ne peut pas stocker, on ne peut plus... mieux pour nous que pour le lieu, enfin, c'est des choix. Bon, bref, là, on ne peut pas essayer de la phytologie. Ça ne marche pas comme ça, les raccords, que tu sois raccordé ou pas, à partir du moment où tu produis et tu gères, c'est est-ce que ensuite derrière ça se remet dans des batteries, ou est-ce que c'est pour faire de l'hydrogène? Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ça? Enfin, en tout cas, là, on se raccorde au réseau classique, on ne se pose pas la question de savoir si on va faire classiquement ou autrement. Si, la question, on se la pose, on continue à se la poser. Après, le sujet de la Caillière, c'est comme. C'est comme d'habitude. Non, mais. Julie, la question, c'est qu'à un moment donné, discuter, c'est intéressant. Après, à un moment donné, il faut avancer parce qu'on en a besoin, et voilà. Ben, ce n'est pas des petites questions, à mon sens. Non, mais personne n'a dit que c'était des petites questions. Le fait d'avancer, ce n'est pas de la petite méthode non plus. C'est des questions de fond, et
c'est des drapeaux qu'on porte, voilà, c'est des choix politiques forts. Oui, non, mais ça, après, chacun choisit ses drapeaux et les portes de la meuse, il n'y a pas de souci. Je rebondirai un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que le problème de la qualité, on le connaît, on est sur un site classé, il y a des contraintes, on est sur le PPRN avec la submersion marine. Et c'est vrai qu'arriver à faire la différence avec un projet soucieux de l'environnement et tout, c'est peut-être le petit coup de pouce qui pourrait faire que le préfet ou la DREAL serait peut-être moins regardant si on arrivait avec un projet remarquable. Je la rejoins tout à fait. Et de dire que, voilà, alors, c'est pas 35 000 euros de voirie avec la fidélité qui passe dans les cailloux, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on est, remarquable, si on est dépôt, si on est toutes ces choses-là, on peut dire attention, regardez, on a quand même fait des choses, on est exemplaire, donc voilà, arrêtez de nous embêter, on sait que c'est passé, mais quelque part, on est dans quelque chose d'atypique, quelque chose de. Un laboratoire, quoi. Un site laboratoire, et on a cette ambition-là. Ça pourrait permettre de défaire certains lieux, parce que tout semble verrouillé, on a nos 9 ou 8 barrettes. Les goûts et de continuer à déposer avec nos déchets classiquement dans tout à l'égout. Mais ça, dans l'idée, dans le truc, c'est super. C'est un moyen d'en sortir. Là, c'est que si on veut avancer pour faire les deux, et les deux ne sont pas antinomiques. Bah oui, justement. Mais c'est pour ça que l'intérêt d'avoir une base de réseau qui fonctionne. Pour moi, c'est de l'argent mis en l'air. Mais voilà, enfin. Ok, ça va servir là dans l'immédiat, et encore que pour le moment, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'urgence pour moi pour ces trois-là, voilà, du fond. Donc il n'y a pas pour moi d'urgence à ce que ce soit fait, donc on pourrait se laisser le temps de se poser les questions et de faire des choix plus engagés, dans le sens. Alors, je vais te répéter ce que je te répète, c'est-à-dire que ça n'opère pas le fait d'avoir des choix. Mais je ne te dis pas qu'on va être d'accord, c'est que je t'explique juste que le fait de le faire maintenant, en mutualisant avec la voirie, c'est ce qui permet de le faire à moindre coût. Et ensuite, ça n'empêche pas de réfléchir sur la phytoépuration, de travailler sur les toilettes sèches, d'être effectivement sur un lieu expérimental, pourquoi pas, effectivement, la DREAL en demande de lieux comme ça. Après, entre le fait de dire oui, c'est bien dans un dossier, ce qu'on entend à l'occasion des visites à droite à gauche, et ensuite la mise en œuvre concrète, ce que je disais tout à l'heure sur le logement des saisonniers, une ancienne colonie de vacances. Aujourd'hui, concrètement, quand tu discutes avec le sous-préfet ou la DDTM, que le site soit dépôt, exemplaire, si ça, etc., concrètement, oui. On dit non, on ne fait pas dormir des gens parce que c'est pas possible. Tu vois ce que. Non, mais la réalité du truc qu'on dit aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est, c'est nouveau, on est sur des problématiques de négociation. Je travaille sur un site Saint-Pierre, qui est un site qui a de la pollution, de l'amiante, un compteur EDF Pyralène. Quand il faut enlever ça, il y en a pour 100 000 euros, des choses comme ça, un gros site et tout. Et c'est vrai que quand on dit on va dépolluer, on va enlever ça, il y a des cubes de gasoil, des cubes d'essence enterrés, 10 minutes et tout. On va dire, plutôt que de les remplir avec du sable, ce qu'impose la réglementation. On peut les sortir, on peut les enlever, les dégazer, ça a un coût. Mais en échange, on demande des choses. On demande des choses, c'est-à-dire qu'on demande, voilà, c'est on protocole, convention. On fait ça, qu'est-ce que vous nous donnez en face ? Ça marche comme ça aujourd'hui aussi. Voilà. Et sans être délirant, sans se mettre dans la loi, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a un site qui est existant, qui est comme ça, qui est péjoratif. On propose d'extirper ce site ou cet aspect de la situation actuelle pour aller vers des plus, vers des valeurs ajoutées, faire quelque chose de mieux. Et du coup, voilà, il peut y avoir un bonus. Il y a à faire. Hein. Bon. Il n'y a pas de pollution. Non, il n'y a pas de pollution. Voilà, c'est pas ça. Et puis on a les pieds dans l'eau. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, à ce qu'elle fait contre. Quelqu'un s'abstient. Ok. Merci beaucoup. Alors, point 5. Donc, c'est l'Assemblée Générale d'un plus bio qui a lieu cette année à Bayonne. Donc, c'est 27 et 28 mars. Et donc, c'est. Alors, pour le GI, pour le transport et l'urgence pays du 27 au 28. Sachant que j'ai vu donc les gens d'un plus bio, que tu as Paname. Ce week-end, pour la manifestation de l'agriculture, sort du salon. Et il a été dit avec le président d'Un Plus Bio
qu'il y ait par exemple, de rencontres autour de l'AG. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour suivre les débats de l'association et y participer. Voilà. Bon, vous dites. Voilà, je dis. Ça, c'est à Bayonne cette année. En fait, chaque année, ça tourne en fonction des adhérents. Et comme là, parce que c'est Pyrénées Atlantiques sont très engagés dans cette démarche, notamment avec les collèges, je crois que c'est le département qui est plus de bio, de local et de circuit court à l'échelle des collèges France Métropolitaine et TomTom. Du coup, c'est eux qui ont pris l'idée cette année pour l'AG. Je peux poser une petite question à ce sujet. Moi, je voudrais savoir. Concrètement, qu'est-ce que ça, ce genre d'assemblée générale et la personne qui se déplace, qu'est-ce que ça amène à la commune? Ça amène quelque chose de personnel, ça c'est sûr. Tu t'enrichis sur le machin, mais qu'est-ce que ça amène à la commune? Alors, on parle d'un plus bio. Donc en fait, on travaille dans quatre directions avec eux pour l'apport à la commune. C'est un, permettre à Evie et au personnel de la cantine d'aller en formation avec leurs homologues, parce que ça, c'est ce que fait. C'est une association professionnelle, un plus bio, si tu veux. Elle ne travaille pas avec le grand public, elle travaille vraiment avec les collectivités qui veulent développer le bio et les circuits courts dans la restauration collective. Donc, elle est vraiment sur ce créneau-là. Donc là, premier point, ça permet au personnel d'aller en formation. Second point, quand il faut investir dans du matériel pour permettre à la cuisine d'évoluer, c'est des tarifs négociés et des relations privilégiées avec les fournisseurs. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, quand c'était le deuxième budget, de mémoire, on avait acheté le VarioCook. Je ne sais pas si tu as vu, c'est une grosse machine qui est là-bas, qui permet au personnel de plus porter les grosses gamelles qu'on avait, de cuire à basse température, notamment le soir. Tu peux cuire entre 60 et 70 degrés. Et du coup, ça permet d'avoir, troisième point, des relations, notamment avec les agriculteurs, où demain, là, il y avait rendez-vous encore avec une agricultrice. On va pouvoir, si tout se passe bien, en lien avec Mangeons Bio, qui est la plateforme que vous avez montré, qui fait également partie de ce réseau, de pouvoir travailler en direct avec des producteurs, des éleveurs, pour acheter des bêtes entières. Tu vois, plus être que sur la partie qui t'intéresse, et en mutualisant les acheteurs. Donc ça, c'est ce que fait un plus bio, tu vois, elle fait l'interface aussi. Et ensuite, après, le dernier point, c'est sur tout ce qui est la veille réglementaire et les informations qu'on a vis-à-vis des allergènes. Alors ça va, des allergènes, pour les gamins avec la signalétique qui est adaptée, en passant par des bons plans ou des consignes, par exemple, si tu veux, découvrir de nouveaux goûts, faciliter des visites. On va avoir l'occasion de partir à Bègles prochainement, voir un self qui s'est mis en place, qui permet de voir du coup sur la durée combien tu as de gaspillage alimentaire, combien ça te coûte, quel est ton coût de revient, pour pareil toujours suivre ça en analytique. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, entre les premiers budgets de 2014 et maintenant, on est passé de 18 à 43% de bio, et en maîtrisant un coût de revient entre 2,27 et 2,29. Et du coup, là, on facture aux familles d'€35, on est les moins chers de l'île, avec Saint-Denis. Les autres sont de 2,40 ou 2,50, je crois, de mémoire. Et ça, c'est possible, parce que c'est le réseau, tu vois ce que je veux dire, qui t'apporte le... Non, mais c'est bien vendu, c'est bien impeccable. Non, mais honnêtement, j'ai pas d'action chez eux. Non, mais j'ai pas dit ça. C'est bien. Ça te convient. Ça me convient. Donc, tu veux, donc alors, on est adhérent à ce bio. On est adhérent à ce bio-là. Et l'autre d'après, c'est celui que vous avez, page 3. C'est la journée de lancement d'un truc qui s'appelle Dynamique Littorale, qui est organisée par le ministère de la Transition écologique à Paris. Ça, c'est la continuité du boulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a fait avec les étudiants de DSA à Marne-la-Vallée sur le littoral 2070. Donc il y a eu une soirée publique de restitution, on a reçu les bouquins, moi j'aurais dû en ramener... Ouais, dans le bureau, vous en avez un, je crois. C'est le travail qui a été fait par les étudiants pour imaginer quel sera le littoral à la Rémijas et aux Alarves en 2070. Donc j'ai fait tout un gros boulot. La Patricia a récupéré les fichiers pour qu'on puisse les garder, pour les mettre en grand, d'imprimer là-dessus. Et donc du coup, il y a un groupe de travail qui s'est constitué. Donc c'est piloté par un député de Vendée, mais j'ai oublié son nom, sur l'aménagement des territoires littoraux sur le long terme. Et là, typiquement, pour répondre à ta question, ce que ça apporte à la commune, c'est que dans le cadre de la révision du PLU, qu'on est en train de faire en ce moment, on se dit, aujourd'hui, on a telle zone qui est à construire, ça peut être une réserve foncière. Imaginons que demain, malheureusement, la mer monte
trop partout et il y a des endroits où on pourra plus habiter, qu'on appelle la relocalisation. Et bien, si tu peux plus habiter là-bas, quels sont les autres coins de la commune sur lesquels tu pourrais habiter? Et du coup, comment ça se prépare? Et là, ils ont travaillé sur le trait de côte, c'est ça? Ouais, là, en fait, il y a trois boulots qui sont faits là-dessus. C'est sur le risque assurantiel et le lien avec la fiscalité locale. Donc ça rejoint ce qu'avait dit... Si on perd du fonds sur votre vie, mais je suis sûr que ça... Alors ça c'est la phase après. Vraiment, la première, c'est grosso modo, combien ça coûte aujourd'hui, combien ça va coûter demain d'habiter dans des zones à risque. Et du coup, qui va payer quoi? C'est ça, c'est dans le cadre des études. Je suis toujours surpris quand c'est un groupe d'étudiants qui va... Non, mais là, le boulot des étudiants... À cette côte et tout, j'ai vu moult études là-dessus. La dernière fois, c'était dans le Grand Large, quand j'étais propriétaire, et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'avait dit que dans les 5 ans, l'eau allait venir là. Dans les 5 ans, en fait, la force éolienne du vent a poussé du sable, ça a fait une dune, et les méchants de Bambo ne voyaient plus la mer. Donc, il est engueulé, il voulait que je les rembourse. Donc, c'est vrai que je suis épaté, quoi. Bon, alors, je suis prêt à mettre des jalons, on met des piquets, ils nous disent exactement où l'eau va avancer, et on se revoit dans 2 ans, hop, d'aller loin. Mais Philippe, c'est ce qu'on a fait au début du mandat, on a posé 38 poteaux blancs, justement, sur tout le littoral, que construit, on a déjà parlé de ça, construit tous les 15 jours et tous les mois, pour prendre justement des photos, faire une base de données là-dessus. Donc là, c'était transféré au pays, ses collègues. Vous placez les photos à chaque fois ou vous jouez le jeu ou vous déplacez les photos à chaque fois pour... Non, mais ça sert à rien. Non, mais c'est surtout que ça, c'est un boulot, honnêtement, aussi surprenant que ça puisse paraître, qui n'existait pas en fait. C'est-à-dire que tu as des photos du trait de côte une fois par an, ça c'est l'ONF qui fait ça souvent depuis des années. Mais moi par mois, avec des photos sur le suivi d'évolution du sable, et en parallèle, la base de données sur... Parce que ce qui est intéressant derrière, c'est voir si tu as eu des tempêtes, la pression atmosphérique, et là, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, parce que tu prends les photos sans savoir ce qui s'est passé, c'est un peu débile, non, mais t'as qu'à l'œil. C'est bien. Et ça, mais si tu veux, c'est pas que nous. Donc on mutualise avec le pays Marino-Néron qui l'a intégré dans ce qu'on appelle le système d'information géographique, et nous c'est ce qu'on met en partage dans Dynamique Littoral. Je veux dire, avant il y avait quand même des gens qui surveillaient tout ça quand même. Non, mais on ne dit pas qu'on surveillait pas, parce que ce qu'on dit juste, si tu veux, c'est que tu avais la photo une fois par an. Non, mais ce qu'il faut regarder, Greg, c'est que depuis, 30 ans, par exemple, je vais prendre Verbois, puisque c'est la plus catastrophique à mes yeux, depuis 30 ans, on a perdu plus de 100 mètres. Il y a une défense côte. Alors voilà, après on peut se poser des questions. Est-ce qu'il aurait fallu, il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, protéger la côte? Je dis oui, parce que par exemple, je te prends l'exemple de la Palmyre. Parce que tu connais la Palmyre, jusqu'au Club Med. Bon, c'est tout ça. Non, mais ça a été protégé. C'est du définitif, à moins que la mer n'ait pas. C'est du définitif. À quelle échelle de temps ? Qu'est-ce qu'il y a ? À quelle échelle de temps on parle quand on parle de définitif ? Là, ça dépend vraiment de ça. Ah ben non, mais il ne faut quand même pas pousser. Bon, après, si vous parlez dans un siècle ou dans deux siècles, bon, c'est sûr que, de toute façon, on ne sera pas là pour le voir. Mais par exemple, il y a quelque chose d'urgent. Là, si on veut parler de la protection, il y a quelque chose d'urgent chez nous. Bon, je ne parle pas de Verbois, parce que maintenant, c'est... Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais c'est la Rémijasse. Juste avant que je parte, on a fait du club de voile jusqu'à la petite cale. Hein, tu l'as vu, ça n'a pas bougé. Mais maintenant, il faudrait faire du club de voile jusqu'à la Rémijasse. C'est-à-dire protéger ça. Parce que là, on est rentré déjà, là, j'ai vu, en 2 mois, on a bouffé 10-15 mètres. Bon, ben ça, c'est une urgence. C'est une urgence. Bon, après, Verbois, moi, j'ai une solution. Hein, là. Oui, mais de toute façon, Verbois, les anciens se souviennent que, il y a fort longtemps, il y a peut-être 2 siècles, le trait de côte, il était déjà là. La plage, elle a engraissé, engrincé. Oui, c'est devenu la plus belle plage de l'île de Léon. Il y a même eu des meetings aériens. Des avions qui faisaient. J'ai une photo, c'est des mobiles et tout. Il y a tellement la plage était large. Au bas d'eau, ils faisaient des choses. Enfin, bon, et puis aujourd'hui, la mer reprend ses doigts, ça rebouffe. Non, mais on sait quand même qu'il y a des. Moi, je dis qu'il faut laisser. Le climat change, on le sait. Avec les arrochements. Avec les arrochements jusqu'au grand large, on a tenu la côte pendant une quinzaine d'années. Voilà.
Bien sûr, les embauchements, ça bouge. Il faut y aller de temps en temps et en mettre en place. Ça coûte de l'argent, ça change. Bien sûr, mais on a tenu la côte. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas eu d'immersion, submersion au grand large. Et pourtant, on a fait le problème, Daniel, si tu veux, c'est que tu parles à horizon siècle ou pas, tu sais, c'est la corrélation, toujours pareil, entre le réchauffement climatique, la montée des eaux et la récurrence des tempêtes, si tu veux, là-dessus. Voilà. Et surtout la force. Alors, pour celles et ceux qui étaient sur la plage le 1er janvier, donc nous, on était avec Mickaël, ça tapait. J'y étais aussi, j'ai fort. T'as vu la force, la densité du qu'il y avait à la Perroche. Le short break, t'as vu, je sais pas si t'es passé à la Perroche, le short break devant l'eau, l'épaisseur des vagues que t'avais là, ça aussi, si tu veux, c'est des trucs et des puissances de vagues, notamment la période de où les hivers qu'on a, ça c'est des choses nouvelles dans la zone atlantique. Je parle, on retrouve l'exemple, là on se retrouve avec des périodes 14, 16, 18, 20 secondes, c'est des trucs qu'on n'avait pas avant. Où il y a des enrochements, on s'aperçoit que ça tient. Après, il faut entretenir. Là, par exemple, j'y suis allé dernièrement, j'ai vu au niveau de la cale, il faudrait envoyer une pelleteuse. Il y a, je dirais, une trentaine de blocs de calcaire à remonter, à repositionner, tout ça. Et ça, si ce n'est pas suivi, dans 5-6 ans, voilà. Donc ça, vous verrez à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la délibération, c'est dans deux ou trois délibérations, on va en parler dans le cadre de GEMAPI, la nouvelle compétence qu'a pris la communauté Kinning. Voilà, ça fait partie justement des discussions sur les uns les autres, sur la gestion des enrochements et... depuis le décret DIG, ça s'appelle les zones de protection des biens et des personnes. On va rentrer dans la scène prochaine. Ah bon, voilà, donc pour terminer, sur ce truc-là, est-ce qu'il y a des questions Là, par contre, la réunion est faite, les déplacements sont faits. Non, Paris, c'est fait. C'était le 5 février 2018, je parle. Ouais. Bon, mais vous auriez pu mettre le montant, là. Parce qu'à chaque fois, je le dis. Ah oui, mais vous demandez l'autorisation. Le montant. Et vous l'avez, le montant. Tu dois l'avoir dans ta chemise. J'ai fait un récapitulatif de tous les 3 ans, 2015, 2016, 2017. Oh, Daniel, quand même, Marie, fais tous les trucs et tu regardes pas. Comment ça, tellement mal habitué. Comment ça, tellement mal habitué. Comment ça, au dernier conseil, j'ai fait passer justement un récapitulatif. Ah non, mais je parle pas de ça, Marie. Je parle de cette journée-là. Oui, mais j'ai pas. Non, mais c'était pas fait. C'était le 5 février. Oui, c'est pas celle-ci. Au lieu de demander l'autorisation, puisque c'est déjà fait, vaut mieux mettre acceptez-vous le montant des. Donc en fait, c'est un aller-retour. C'est un aller-retour en train, donc ça doit être 140 ou 150, j'imagine. Voilà, mais disons que. Je préférerais qu'il n'y ait pas de demande d'autorisation, parce que dans la mesure où on se déplace, je pense que c'est pour des choses utiles, mais que quand c'est fait. Acceptez-vous le 500 euros de frais de déplacement et de d'hébergement? Voilà, c'est plus simple. Au moins, on sait où on est. Alors, en tout cas, tu remarqueras quand même qu'on est plutôt gentil. Tu avais demandé un truc, on l'avait mis en place. T'étais voilà, bon, c'est pas grave. Oui, non. Mais voilà, qu'on soit calé là-dessus. Voilà. Bon, après, c'est tout. Très bien. Souvent, comme 98% des trucs, ça apparaît de façon. C'est plus simple. Donc, je suis peut-être contre. Quelqu'un s'abstient. Merci beaucoup. Alors, point 6. Marise, peut-être. Oui. Donc, là, en fait, là, c'est des règles comptables. Normalement, donc, nous, on est commis de moins de 3500 habitants. Donc, la comptabilité publique ne nous oblige pas à intégrer les amortissements, sauf pour certaines dépenses, notamment les frais d'études. Vous avez l'habitude de les voir avant le budget. Et là, également, ça concerne les frais de publication et d'insertion, parce qu'on lance des appels d'offres, on publie ça dans les journaux, et le coût de cette publication doit être amorti dans la mesure où elle n'est pas suivie de réalisation. Donc, la plupart du temps, les insertions que l'on fait sont suivies de réalisation, donc on n'a pas à les amortir, c'est la raison pour laquelle on n'avait pas délibéré jusqu'alors. Et là, on a eu les frais d'insertion qui ça concernait. On avait lancé une consultation qui n'a pas été suivie d'effet. Et donc, il faut amortir cette dépense de 564,73 euros.
Et il faut donc décider sur combien d'années on l'amortit. Donc le maximum c'est 5 ans. Donc on propose le tableau qui vous a été communiqué. Donc voilà, en fonction des frais, en fonction des montants, donc on propose jusqu'à 1000 euros de frais d'amortir ça sur un an. Et jusqu'à 2000 euros 2 ans, jusqu'à 3000 3 ans, 4000 4 ans et 4000 et plus 5 ans. Donc là, en l'occurrence, le montant qui est que le percepteur nous demande d'amortir, ce serait sur un an. En fait, là, on se prononce sur la grille. Sur la grille, voilà. Durée d'amortissement. Tous les frais d'amortissement, sur quelle durée on amortira les frais de publication et d'insertion lorsque ceux-ci ne seront pas suivis de réalisation. Voilà. Donc, c'est une grille qui est proposée, qui est un peu passe-partout, enfin, ouais. Les communes qui font. Ouais. Bien, il y a des questions. Un contre, on s'abstient. Merci beaucoup. Patrick, tu veux dire un mot sur la charte d'engagement éco-mobilité propose. Alors, donc, la charte d'engagement éco-mobilité avec la communauté de communes. La communauté de communes de Luberon est lauréate depuis juin 2015 de l'appel à projet de territoire énergie positive, donc PROPOS. Le volet mobilité vise à réduire l'utilisation de voitures individuelles, comme les voitures d'énergie, au profil alternatif, comme le covoiturage ou le mobilité. Donc, afin d'appliquer les communes et leurs habitants dans cette démarche, la CDC propose l'élaboration d'une charte de mobilité communale où la commune s'engage à choisir trois actions et à les mettre en œuvre. L'ensemble de l'action est accompagné techniquement, graphiquement par la communauté de communes. Alors, le groupe communautaire du 13 décembre 2017, les 8 maires ont accepté de mettre en place une charte de mobilité dans leur commune. Cette charte permet de valoriser les actions parfois déjà existantes et d'améliorer l'information disponible pour les habitants. Donc la charte engage la commune à, donc le projet est en annexe, donc relayer la communication, la communauté de communes sur la mobilité, partager ses retours d'expérience à la communauté de communes et les autres communes lyonnaises, choisir et mettre en place trois actions en faveur des alternatives à la voiture individuelle. Donc, la CDC s'engage à accompagner le conseiller de la collectivité dans le choix et la mise en œuvre d'actions, communiquer sur les retours d'expérience, les modes d'action mis en œuvre pour la collectivité. Mettre à disposition des moyens de communication valorisant l'engagement des collectivités. Alors, le conseil municipal, pardon, est invité à approuver l'engagement de la commune sur la mobilité de ce projet, désigner un référent, pour porter le projet, donc tous les maires signer l'ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre du projet. Et on l'avait parlé, par contre, les actions possibles. Donc, il y en a certaines qu'on a déjà faites, comme la zone de rencontre, par exemple, il y a toute une liste. Je ne sais pas si tout le monde avait vu sur son mail. Non. Tu pouvais nous le rappeler Ah ben, je ne sais pas. Alors, attends, je l'ai. C'est du concret. Pardon, juste la liste des actions possibles. Tous les trois possibles, tous les trois possibles. Dans la tempête, c'était pour les marmelles. Oui. Je lis tout. Bon, j'en ai montré une. Allez, dans le jeu, oui. Voilà. Alors, comment tu vois là transport public. Les voyageurs. Comment tu vois là organisation pour le sommeil de la D'accord. Allez, ça. Promotion du GPS Vélologie, c'est quoi ça? C'est un GPS que la CDC a mis en route. Sur le vélo? Oui, sur le vélo. Le vélo sur les bicyclables. Ah bah. Oui, sur les bicyclables. Ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même plein d'endroits où les jonctions sont pas bien. C'est pour passionner les gens au vélo, qui se perdent moins. Là, je la bagnole pour prendre un vélo parce qu'au moins, ils savent toujours où ils sont. Alors, création d'une douche ou vestiaire en mairie? Les agences déplaçant à vélo. Ça, on va en causer rapidement, parce que je pense que c'est un des premiers trucs qu'on va faire. Ça.
Pareil, amélioration de la signalétique piétonne et cyclable dans les centres-bourgs. Le souci qu'on a chaque été, c'est que les gens se perdent parce qu'il n'y a pas de lien entre notamment la piste qui arrive de Saint-Pierre, du Marais aux Oiseaux, pour descendre vers le château pour aller vers le Treuil, où en plus c'est dangereux. Donc là. Ah ouais, et comme t'as plus un Pékin qui sait lire une carte, alors pardon pour les Parisiens, hein, mais tout le monde est avec son feu et on ne sait plus où on est, donc du coup il va falloir qu'on. On a déjà travaillé dessus, on a prévu un fléchage interne centre-ville pour les cyclistes et on va le mettre en place, j'espère, avant avril. Donc on refait comme les dernières, on reprend des palettes, on faisait pas au bout de coucou, on refait les flèches, on a dit que ça. Donc ça, le programme il est bouffé, on a été manche et on va le faire. Okay. Du coup, on rajoutera une flèche au porte de Montreuil pour que ça soit. Ce qui avait été fait à la communauté des communes de covoiturage il y a 2 ans, mais ça n'existe plus. La conseillère On en parlait, c'est sûr que ça n'existe plus. Oui. Non, mais je crois que Blablacar a pris un télésor aussi. Ouais, c'est venu à ce moment-là. Ça m'a l'air bien tout ça. Ok. Et donc, nous avons le plaisir, tant qu'on parle de ça, parce que là, on peut l'annoncer maintenant, et la joie de vous annoncer que, enfin, les bornes de recharge électrique vont arriver dans l'île d'Oléron. Vont arriver. Je l'ai posé la question. Ça y est, le SDER. Justement, je le sais. Donc c'est ça, on en a parlé la semaine dernière. Hein. Donc le SDR s'est engagé, on va avoir donc, des bornes identifiées sur la Cotille, Saint-Pierre, nous, ici, Place Simone Veil, le quatrième endroit, je sais plus où c'est le quatrième endroit, Saint-Georges. Donc des charges rapides, c'est-à-dire que tu vas recharger ta bagnole en 15 minutes. Et on a demandé à ce qu'il puisse y avoir aussi des raccords pour les vélos, pour, tu vois, tout aménagement. Donc là, normalement, on devrait enfin, entre celles et ceux qui ont assisté aux premières délits qui doivent dater de 1973, je crois, de mémoire. Donc là, normalement, c'est bon. Je croyais que tu allais annoncer que vous alliez passer le parc automobile en électrique. Alors, Manurama avait posé la question la dernière fois. Ça vaudra le coup. Je suis étonné qu'au bout de 4 ans, tu n'aies pas pris la décision d'avoir au moins un véhicule électrique. Bah, après, on a été les premiers à en avoir un. Oui, le Pélican. Eh oui, le Pélican. Oui, alors le Pélican. Ça n'a pas beaucoup suivi après, hein. Non, mais c'est pas un Pélican qui marche bien, par contre, il ne faut pas le péter. Tu le pètes, ça coûte. Ouais. Ça ne faut pas le péter. Un Pélican, c'est comme une brosse à dents, ça se pète pas. Je ne les ai pas prêtés, pétés. Hein. On va l'évoquer rapidement. Sur la pas mal de vieux véhicules diesel qui ne sont plus les prochains contrôles. Donc là, on va devoir renouveler des véhicules et là, effectivement, on va pouvoir se penser sur. Ça, c'est toujours pas essayé. Non, mais je pense, bon, après, ça sera difficile pour des plateaux et tout ça, je pense. Oui. Mais pour, par exemple, je pense à la liaison, je pense à la petite Twingo, je pense des liaisons. Oui, mais après, on a les. Dans l'idée, t'as raison, mais on va les pousser jusqu'au bout. Ouais. La Modus, ça dure encore. Ah, bien oui. Tu vois ce que je veux dire, on va, ouais. Quand il faudra renouveler, effectivement, la question sera intéressante. Et en termes de coûts, ce qu'a la communauté de communes, justement, la petite Bonnero, là. C'est déconseillé, mon avant. C'est à déconseiller. Pourquoi? Pourquoi, Gérard? Alors pourquoi? Parce que le fabricant a fabriqué. Oui, c'est de l'IES, c'est ça? Oui, c'est de l'IES. Ah oui, de l'IES, puis, à mon avis, parce que je comprends, c'est pas très fiable. Ah ouais, oui, d'accord. Bon, maintenant. Voilà. Il y a les belles cambous, hein, les belles cambous. On a la poste, les qui... sont électriques, sont très la belles. Poste montre l'exemple. Par contre, c'est quand même dangereux. Oui. Parce que en ville, hein, on les entend pas du tout. Et faut garder la main sur le texte. Non, mais par contre, si on poursuit la réflexion et le raisonnement là-dessus, parce que c'est ce qui est en train de chier, parce que TEPOS, donc territoire énergie positive, c'est non seulement le contrat qui a été signé avec l'État, mais c'est pareil, c'est un réseau, idem comme le réseau en plus bio, de collectivités, d'acteurs, notamment avec une grosse association qui s'appelle Amorce,
travaille sur ces questions. Et en fait, on se rend compte que sur des territoires fortement ensoleillés comme les nôtres, quand demain il y aura de plus en plus de toitures qui seront solarisées, typiquement la prochaine qui arrive, c'est celle qui est au-dessus de nous, l'après-midi, tout ce qu'on va produire en élec, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, même si tu es raccordé ou que tu sois en autonome, à partir du moment où tu vas le mettre sur le réseau, si en face il n'y a pas de besoin, va se poser la question du stockage. Et plutôt que de faire du stockage en batterie, avec ce que ça implique, de plus en plus, le développement de bornes à hydrogène, elles sont plutôt intéressantes. Parce que du coup, le fait de fabriquer de l'hydrogène qu'ensuite tu peux stocker, c'est quelque part une batterie. En fait, tu stockes de l'électricité, mais sous une manière différente. Et là, quitte, là, c'est un peu du futur, mais pas tant que ça, à réaménager la place avec la fameuse borne électrique USDR, qui marche bien, réfléchir également à avoir et de l'électrique et de l'hydrogène à côté, sur une place comme celle-ci, c'est pas si pire. C'est une énergie fossile, l'hydrogène aussi ? Non. Non, parce que c'est à partir du moment où tu l'as produit avec du renouvelable. Sinon, pour fabriquer de l'hydrogène, à la base, si tu n'as pas, d'électrique qui vient des panneaux solaires, tu es obligé de dépenser de l'énergie. Là, ça ne vaut pas le coup. En revanche, là où c'est intéressant, le combo, là où il marche bien, c'est si tu produis par rapport au panneau, et du coup, ton élec, tu l'utilises directement. Tu ne la perds pas. Quoi. Et à la différence d'une pile au lithium, tu n'es pas dans les énergies fossiles rares, enfin des matières rares au départ. Et après, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'une fois que ton truc est terminé, qu'est-ce qu'on fait ? Et après, l'hydrogène, tu peux le rendre liquide. D'accord. C'est plus facile à stocker. Est-ce qu'il y a un échéancier là pour. Ah bah je pense on a une date là. Non, c'est déjà c'est une charte, c'est un démarrage. Là ce qu'il vous faut pas c'est désigner. Non mais des grandes lignes. Ah. Oui, je propose parce que quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a utilisé. Bon, on peut faire des binômes aussi. Hein. Donc. Donc, définir la mobilité, c'est fait. Relayer la communication sur la mobilité, ça, c'est fait. Donc, la communauté de communes, on l'a mis, je ne sais pas si on a mis la clé pour donner des panneaux de toit. Il y a un numéro unique maintenant qui fonctionne pour tous les besoins en mobilité. Je ne sais pas si l'affiche, enfin, qu'on regarde, si elle a été mise en bas. La CDC a fait ça. Partager les retours d'expérience sur les autres communes éléronaises. Vive la barquette. Choisir et mettre en place trois actions en faisant des alternatives à la voiture individuelle. Donc, ça, du coup, on va décider ça. C'est pas mal. Vous voyez ce que j'allais dire, si ça vous ennuie pas. On rajoute ça à la prochaine commission voirie. Et du coup, s'il y en a qui sont intéressés par le truc, ils se greffent. Vous avez la date déjà ou pas ? Non. On fait ça ? Ouais, ça te va, Gérard ? Ok, donc pour celles et ceux qui sont motivés, vous en avez peut-être parlé cet après-midi, non, à la CDC, donc il y a du boulot sur les centres-bourgs, qui sont de mobilité. On va parler de bientôt les bornes pour les vélos. C'est bien. Bah oui, mais c'est ça, de toute façon, le réaménagement des bornes de vélo. Ouais, parce que je sais pas, la dernière réunion que j'avais fait pour les bornes de rechargement, ils n'étaient pas d'accord sur le système de paiement. Donc apparemment, ils prévoyaient de ne pas mettre de carte bleue. Donc ça se fait soit un paiement par smartphone ou abonnement. Donc, je ne sais pas où sont les. Voilà. Il n'y a pas de smartphone. Ça fait que tu restes là. Tu n'as plus de batterie dans la bagnole. Mais c'était d'accord sur les prix, parce que ce n'était pas simple non plus. Vous avez vu, ça reste la carte de crédit en nature. Les anciens, du smartphone, c'est pas trop le cas. Alors, vous êtes invité à approuver l'engagement de la commune sur la modalité de ce projet. Désigner un élu référent pour porter le projet, donc Patrick, et on met ça dans le cadre de la commission de voirie. Là, et autoriser le maire à signer l'ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre du projet. Quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Merci beaucoup. Alors, compétence GEMAPI. Donc, par délibération en date du 13 novembre 2017, le conseil municipal a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes de l'île de Léron. Donc, depuis le 1er janvier, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Un, donc, c'est cet article habilite la communauté de communes à utiliser les articles 151-36, 151-40 du Code rural et de la pêche maritime pour, je cite, entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, pour l'exercice des missions suivantes, l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, ce canal, ce lac et ce plan d'eau,
la défense contre les inondations et contre la mer, je disais tout à l'heure sur les discussions d'arrangement, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que la formation boisée et vallée. Donc ça, c'est ce que dit le texte. Ces missions étant évoquées de façon très générale par la loi, il apparaît nécessaire de déterminer les actions qui sont mises en œuvre par la communauté de communes pour l'exercice de celles-ci. En outre, la parfaite coordination de ces nouvelles interventions avec celles qui sont assurées par des tiers implique de devoir reconnaître à la communauté de communes des compétences complémentaires qui peuvent y appliquer. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la modification statutaire suivante, consistant en l'ajout. Alors là, tout le monde là, la partie bleue là ? Ouais, c'est bon, ok. Alors, je ne sais pas, je vous lis tout, donc peut-être pas. Hein. Alors, donc, 1. Donc, identification des actions attachées à l'efficacité, à l'exercice de la compétence GEMAPI. Aménagement d'un bassin ou d'une fraction hydrographique, entretien, aménagement des cours d'eau, canal, lac, plan d'eau. D'accord. Point 2. Défense contre les inondations et contre la mer. Donc, gestion, entretien et surveillance des ouvrages participant à la protection contre les inondations mises à dispo de la communauté de communes, conformément à la loi, dont la liste sera fixée par délibération suivant les déclarations d'intérêt général obtenues ultérieurement selon les procès-verbaux de mise à dispo des ouvrages dressés entre les exploitants actuels et la communauté de communes. Ce qui veut dire pour nous, on serait concrètement à 50-50 sur la digue Saint-Martin. D'accord ? Pour la Péroche. Pour la Péroche, les enrochements seraient à la CDC. Et les pigeotés, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de, comment dire, de gestionnaire d'origine. Donc pour l'instant, ça paraissait un ouvrage orphelin, personne ne va le gérer. Et la cave, on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec les inondations. Mais voilà, sur la Péroche, c'est ça. Les enrochements, normalement, seraient pris en charge par le. Donc on parle des enrochements, ceux qui avaient été faits des travaux dits d'urgence à l'hiver 2013, je crois de mémoire, c'est ça ? Ils sont là-dessus. Oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est voilà. Ça. Et éventuellement, alors après, ceux qui avaient été faits précédemment, c'est qu'en fait, la réflexion qu'il y a eu, c'est d'abord l'identification des ouvrages sur toutes les communes de l'île. Ensuite, gros boulot historique pour savoir qui, à l'époque, et pourquoi et comment, avait commandité l'ouvrage et qui en était le propriétaire, qui était identifié. Quant à un bien vacant, là-dessus, c'est là où il y a eu discussion, notamment avec la CDC, pour savoir si c'était que commune. Au début, la digue Saint-Martin, ils étaient partis 100% commune. Et donc là, on a dit, ben non, parce que c'est pas que la digue Saint-Martin, c'est toute la route de la côte Est qui dessert tout Oléron, donc il y a un intérêt communautaire. Donc on est passé à 50-50. Et ensuite, on a fait le même boulot sur le côté à Péroche. Donc l'enrochement, on n'arrive pas à trouver la première digue, celle qui date de 58. Qui était là ? Est-ce que c'était les riverains ? Est-ce que c'était la commune ? Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver dans les documents. Mais parce que là, il faut trouver le papier. Donc là, Marie fait de l'archéologie partout, les archives, machin. Ça date de quoi ? De 1700 ? Non, 58, celle qui est. Celle qui a été goudronnée. 58 ? Ah non. C'est la digue à la Péroche en pierre ? Non, goudronnée. C'est goudronnée, la Péroche. C'est celle qui va dans la Romaine. C'est en goudron. Celle que tu as refait, là. Les pigeotés, on appelle les pigeotés dans la mer. Les pigeotés, c'est 58. Je pense que c'est les riverains. Ouais. Ah, celle-ci. En silex. Voilà. Non, c'est en silex, elle a été goudronnée le soir. Ils l'ont enfierrée, ils l'ont goudronnée. Elle est en béton. Celle en face du beau. Celle où tu as fait la défense de la sable, de la défense de la. Ah voilà. Donc du coup, voilà, tout ce boulot qui a été fait, et là on avance avec la CDC, le bureau des études là-dessus. Je crois qu'on entendait parler sur cette épigeotée, là, c'était le départ de l'association des riverains de la Péroche. Ils avaient peur d'être envahis par la mer, et donc c'est de là qu'ils se sont fédérés à l'association, et il y avait les propriétaires historiques du prieuré, mais c'est pas eux, c'est les gens qui arrivaient de Bourgogne, les marchands de vin, qui avait un peu plus de moyens, qui avait levé des fonds, je crois que c'était bien, mais sauf qu'après, d'ailleurs, comme on n'a pas de doc officiel sur l'occupation de l'espace, concrètement, certains ont monté leur des cartes postales anciennes à l'intérieur de la baie de la Péroche, avant qu'il y ait la fameuse digue. En fait, il y a un grand mur qui a été fait devant toutes les maisons. Là, mais il y a un grand mur, en fait, on voit quelques marches de temps en temps, c'est qu'il monte. En fait, des marches, il y en a une quinzaine.
Et en fait, c'est le fait que la digue soit venue ici qui a fait tout l'ensablement dedans. Donc ensuite, c'est la définition d'entretien d'ouvrage de défense douce contre l'érosion marine dans le cadre des enjeux de submersion en coordination avec l'ONF pour le volet érosion éolienne, incluant la contribution à l'entretien et la restauration du corps lunaire. Donc c'est là où on a parlé des big bites, plus le suivi là, des points GPS, l'animation et le pilotage, et la mise en œuvre de ce qu'on appelle le PAPI, enfin des programmes d'action, pardon, et de prévention des inondations telles que le PAPI. Protection et restauration des sites des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Ensuite, transfert des compétences complémentaires en GEMAPI, création d'un pôle intercommunal d'accompagnement des communes en cas d'alerte de crise avec mise en place d'un système d'alerte commun. Tu veux dire un mot sur Numérisque, Patrick, du coup ? Numérisque, c'est la mise en commun de tous les PCS de toutes les communes de l'île d'Oléron regroupées à la CDC. Donc c'est, ça commence juste, il y a une réunion il y a une semaine, enfin, on va préparer la première. Et le but, c'est de mettre en commun les PCS, de voir les moyens dont chacun dispose et de pouvoir faire un lien à la CDC si vraiment il y avait un événement majeur qui concernerait toutes les communes de l'île. Ou même s'il y avait par exemple un problème informatique sur une commune, bah, que la CDC puisse intervenir. Et, Les PCS, c'est quoi cette nouvelle bestiole ? C'est plan communal de sauvegarde. Un vieil élu, je te l'appelle, plan communal de sauvegarde. Nous, on appelait les choses par leur nom. Désolé. Plan communal de sauvegarde. PCS, ça dit FATCO, c'est toi ? Le PCS de la CDC ? Non, mais entre vous, vous n'avez jamais fait l'activer, c'est bon signe. Oh, c'est des yeux. C'est des c'est yeux. Donc, donc ça, toutes les dérives des PCS. Gestion, entretien. Le PCS qui a été activé quand il y a eu le feu au Signol l'été dernier ou il y a deux ans, typiquement. C'est-à-dire là, où est-ce que tu loges tous les habitants du Signol ? Le seul espace qui est dispo dans l'île, c'est le CIFICS, par exemple. Donc c'est ça qu'il faut. Gestion, entretien des ouvrages hydrauliques, des réseaux primaires et secondaires, des marais qui ne sont pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une association syndicale. Donc ça, c'est le cas pour nous. Du coup, il va falloir malheureusement que l'actualité récente qu'on connaît sur le marais de la Péroche, ça implique de voir comment est-ce que ça fonctionne. Idem au sud avec l'AFR et les collègues du château pour le marais derrière la Bénissière. Et pour ce qui concerne Varceau, en lien avec Saint-Pierre, parce que l'idée étant, bien entendu, que les réseaux hydrauliques font fi des frontières administratives des communes, et c'est bien l'enjeu de la gestion de l'eau globale qui compte. Donc, je ne sais pas, vous avez vu le DGS de la CDC à ce sujet ? Pas encore ? Pour cette histoire. Ouais, pour les associations syndicales, qui se gèrent, enfin, ça fonctionne sur celui-là. Il n'y a pas de. Ce ne sont pas des syndicats, donc eux ne seront pas dissous. Elles vont continuer, ces associations syndicales des propriétaires vont continuer d'exister. Voilà, tant qu'il y aura des gens pour les gérer, quoi. Mais là, pour l'instant, non, nous, on n'est pas. De toute façon, l'idée de cette année, c'est que chacun ingère tout ça, là, parce que c'est quand même un groupe. Parce que là, c'est long, on a une synthèse. Hein, la GEMAPI en direct, c'est comme ça. Hein. Donc là, qu'on comprenne bien qui fait quoi, comment. On est l'année. Les deux syndicats qu'on a, c'est par rapport à la BFDC avec l'UNIMA, c'est que vous êtes, hein, la secrétaire. Non, ben, nous, c'est nous ici. Hein. Péroche et puis la Bouticière, c'est nous ici. C'est nous, l'UNIMA, ils sont sur les réseaux. Mais le syndicat Jean-Luc Poirier, PASO. Pas un syndicat, association syndicale. Ouais. Vous m'embêtez, Marise ? Non, mais c'est important. Non, mais c'est ça, truc, pour les personnes morales. C'est l'IMA. Oui, c'est l'IMA qui peut se contrôler. Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires là-dessus ? De toute façon, là, on va en entendre parler. Préparez-vous là-dessus, commencez à lire le que sais-je, la GEMAPI. On va en parler toute l'année. Donc, ça arrive, bien sûr. Ça arrive. Alors, sachant que, si tu veux, depuis le départ dans les budgets, je ne sais pas si tu te rappelles, mais chaque année, on met de l'argent en prévision du PAPI, qui est appelé ou pas en fonction des travaux qui sont faits. Donc là, il y a le PAPI qui datait de Xynthia, dont les travaux en ce moment à la Pérotine, ceux qui ont été faits à Saint-Pro, il y a un avenant qui a été validé. C'est dans le cadre de cet avenant qu'il y a le mur de soutènement qui a été validé au sud des alarmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Pour faire en sorte qu'en cas de Xynthia plus 60, l'eau s'écoule autour du village, enfin, sur les côtés. Donc, ça, c'est des sommes d'argent qui sont appelées là-dessus. Et quand ce papy avec son avenant va se terminer, discussion avec l'État pour voir s'il y a un papy 3
qui va partir ou si dans le cadre de GEMAPI, les actions concrètes vont venir. Mais de toute manière, sur l'entretien des terrains et des sols, c'est ce pourquoi la CDC va. Donc il y a eu le débat d'orientation budgétaire et dans 15 jours, je crois, c'est le vote du budget de mémoire, l'instauration de la fameuse taxe dite GEMAPI. Celles et ceux qui ont vu, j'avais fait d'imposition, c'était déjà prévu là-dessus, qui devrait être à 22 euros, je crois, de mémoire, qui va justement être fléché sur ces travaux dont on parle. Entretien et gestion des eaux. Alors, est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Merci beaucoup. Point 9. Donc là, c'est le problème, c'est une discussion. Oui, discussion, donc, désherbage des trottoirs. Alors, il n'existe pas d'obligation légale imposant au riverain de nettoyer ou désherber le trottoir qui est situé devant son habitation. En revanche, en fonction des pouvoirs de la police, le maire apprécie, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Donc, Maryse a regardé, vous avez tapé sur un document de l'AMF, non, c'est ça ? Sur le texte. Donc, qui dit que c'est. Alors, moi, je vais vous dire, c'est quoi, c'est 40 cm devant, c'est ça ? Ah non, ça, il n'y a rien qui. Ah non, il n'y a rien là-dessus. Quand tu dis supporter, est-ce que c'est. Tu vas nettoyer ton trottoir ou est-ce que tu lui envoies une facture parce que tu fais nettoyer ? Non, mais c'est quoi ? Ben, oui, supporter, pour moi, supporter, c'est supporter financièrement. Faire supporter. Plutôt, quand on dit fais supporter le nettoyage des trottoirs, pour moi, quelque part, c'est un engagement financier voilà, avec le riverain. Sinon, tu mets en demeure de nettoyer son trottoir parce que c'est dégueulasse. Mais là, c'est une bonne question. C'est ça, mon supporter. Donc, supporter, c'est bien les gens qui nettoient leur trottoir tout seul. On peut y mettre ce que l'on veut derrière ce mot supporter. Donc là, c'est bien évidemment que la plupart, là, j'ai des exemples sur la ville de La Rochelle. Si le riverain, il veut faire entretenir son trottoir ou son devant par un artisan ou par une entreprise qui fait entretien de jardin ou de nettoyage, il va le faire, donc il va le supporter, lui, financièrement. Cette partie du trottoir, elle est domaine public ou elle est domaine privé ? Domaine public. On parle du domaine public. Donc, les gens, ils payent déjà des impôts pour ça. Je vois difficile de leur faire supporter d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi, je trouve ça bon. Oui, je comprends pas. Ah, déjà, pour moi, c'est bon. Vrai qu'il y avait un peu d'inégalité parce que ça descend des trottoirs. Si tu as les trottoirs comme la rue des Chapelles, qui sont relativement faciles à entretenir, tu as les trottoirs sur la RD 424, hein, qui sont beaucoup plus larges, avec c'est beaucoup, beaucoup compliqué. Pour les personnes âgées, oui. C'est plus compliqué. C'est pour ça que l'idée. La deuxième chose, il a raison, c'est du domaine public. Donc, faire intervenir des privés sur le domaine public, imagine que dans le cas du supportage. Il y a occupation, quand il va nettoyer, il y a occupation. Quel que soit le supportage, on va y voir. La commune disant. Mais c'est ça, c'est pour ça, c'est ce qu'on a dit. Permanent, c'est ce que l'on dit, c'est pour les avec les gens qui signalent leur présence quand ils nettoient. En fait, si tu veux, l'idée, grosso modo. Baliser le trottoir, quoi, ça c'est compliqué. C'est qu'en fait, toujours pareil. Ça, c'est une discussion à l'asso des maires de France, à l'asso des villes rurales, de partout, etc. Grosso modo, ce qui se passe avant, c'est tant qu'on schématise, mais à peine. Tant que tu avais, entre guillemets, des contrats aidés, t'avais des gens qui ont contrat aidé, c'est pour faire. Maintenant que tu n'as plus de contrat aidé, concrètement, c'est que tu ne peux plus assumer concrètement. Donc là, l'idée, bon, c'est de se donner un an. C'est pour ça que la dernière phrase, c'est monsieur le maire envisage de prendre l'arrêté en ce sens applicable dès le printemps à titre d'expérimentation sur un an. Pourquoi dès le printemps ? Parce que c'est la période de pousse. Ça vient en complément de ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir effectivement du personnel. De mairie, c'est les deux CDD dont on parlait tout à l'heure, qui vont bosser en appui avec les collègues des espaces verts. Et l'idée étant, bien sûr, de voir par endroit, par personne, on va demander à quelqu'un de 92 ans, quand ma grand-mère habitait, quand elle était autonome au départemental, c'est pas elle à 86 tiges, qui allait, bien sûr, c'est compliqué. Enfin, parce que sur ma grand-mère, mais à 96 ans, forcément, c'est pas facile. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir ça concrètement, comment ça pourrait se mettre en œuvre, de voir si ça marche ou si ça marche pas. Pour du coup en tirer un enseignement. Et en s'appuyant,
Le maire est libre, hein. C'est voilà, tous les textes que là j'ai une réponse du Sénat à une question qui avait été écrite par un sénateur. Et donc la question c'était, il lui demande, donc, hein, le sénateur en question, demande au ministre de l'Intérieur selon quelle modalité la commune peut demander aux riverains de se charger de leur déneigement, de leur balayage et éventuellement de leur désherbage. Et donc la réponse était, il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Et donc dans l'arrêté, pour répondre à ta question, dans l'arrêté, le maire y met ce qu'il veut. Enfin, il organise les modalités de nettoyage ou pas. Voilà, c'est pas du tout une obligation. C'est, voilà. Donc on a l'exemple, donc la ville de La Rochelle a pris l'arrêté. La ville de La Rochelle a pris l'arrêté, donc moi j'ai pas l'arrêté, mais c'est indiqué. La ville de La Rochelle considère l'entretien des voies publiques comme une mission prioritaire dans laquelle les riverains sont tenus de s'investir. Donc depuis le mois de juin 2015, et la publication d'un arrêté municipal détaillant les dispositions générales relative à l'entretien des trottoirs. Chacun est donc tenu de veiller à la propreté de l'espace situé devant son lieu de résidence, et notamment, donc il y a différents articles, au niveau du désherbage. Donc il est indiqué, le riverain est également tenu de surveiller le développement de la flore spontanée sur le trottoir situé devant chez lui. Seul le désherbage manuel, mécanique ou thermique est autorisé et le recours à des produits phytosanitaires ou chimiques est donc proscrit. Les herbes invasives et les ligneux sont à supprimer systématiquement, mais le riverain est autorisé à les remplacer par un chien. Là, on est sur la technique, mais quand même. Attends, chacun son tour. Vas-y. Vous n'avez pas peur de voir revenir justement par ce fait-là, certains jolis produits sur les trottoirs, les gens ont envie de se faire. On peut le voir dans l'arrêté. Tu peux le prévoir dans l'arrêté. Par contre, moi, je reviens sur la question. On est sur le domaine public. Vous savez, imaginons. On n'est pas tous égaux à nettoyer le trottoir. Quelqu'un qui est pas manuel, oui. Il est avec sa tondeuse et tout, il est sur le domaine public en train de tondre, une bagnole le fauche, le tue. Il est pas chez lui, en train de nettoyer le trottoir d'un autre, enfin, c'est la commune où il vit, c'est la mairie, mais c'est pas sa propriété privée. Là, les assurances s'emparent de ça, donc je sais pas, le premier, c'est celui qui l'écrase, la voiture, l'assureur de la voiture, il va faire marche arrière toute, et lui, il va dire, attendez, il avait rien à foutre là, avec une tondeuse. Moi, je ne paye pas. Alors, après, je vais aller vers la mairie. Bah oui, mais la mairie, il y a un arrêté du maire qui dit qu'il faut faire son affaire de son trottoir. Donc moi, je le fais régulièrement. Donc, c'est la faute du maire. Mais ouais, c'est régulièrement. Moi, je ne signe pas un arrêté comme ça. Mais t'as les voitures. J'ai pas encore trouvé que les femmes. 70, près de toi, qui est en train de désherber, elles s'en foutent. Hein. Pour avoir discuté notamment avec les gens de La Rochelle. Si tu peux l'arrêter, tu prends un risque. C'est qu'en fait, en revanche, à partir du moment où tu indiques la dynamique là-dessus, celles et ceux qui le faisaient déjà vont continuer à le faire. Toi, sauf si tu as envie de t'arrêter, demain, visiblement, tu vas continuer. Voyant que cette dynamique-là rejoint l'ensemble des autres trucs qu'on mène à côté là-dessus, d'autres personnes peuvent se dire, bah tiens, moi aussi je vais contribuer. D'autres, celles et ceux qui ne voudront pas le faire, ne le feront pas. Après, on ne va pas aller, nous, avec le policier municipal, pour dire, bah, nettoyer, machin. L'idée, c'est en actant ça et en se donnant un an de test, en s'appuyant sur les référents de village avec qui on discute et qu'on voit bientôt là pour le repas annuel où on fait le point, de voir ce que ça donne. Si on se rend compte au bout d'un an qu'en fait ça apporte rien de plus, parce que celles et ceux qui le faisaient déjà comme Gérard continuent à le faire et d'autres, bon, il n'y aura pas de raison de continuer. Si au contraire on se rend compte que ça crée des motivations d'essayer ça, hop, là, ça va le compléter. Mais l'idée au moins c'est de se dire, on part sur un an d'expérimentation. Quitte à voir justement balayer le souci assurantiel, parce qu'à un moment donné, après je ne sais pas si on peut avoir sur l'arrêté des zones géographiques de dire sauf, par exemple, c'est possible ça ou pas devant la dangerosité. Normalement non, les règles doivent être, après, sauf si on cible un seul secteur, le tronçon est trop étroit. Le préfet décide au passage de contrôle de légalité déjà, et puis après un arrêté, comme tout arrêté, peut être attaqué, et donc voilà. Ouais. Il peut y avoir un recours contre un arrêté. Là, c'est le juge qui décidera. Mais c'est vrai que c'est assez flou dans tous les textes. Mmh.
textes, voilà, chaque commune est libre de l'instaurer. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non, donc, je vais juste rajouter, je vais m'abstenir parce que je pense que ça s'appelle du civisme. Après, ton niveau est pas la modèle, quand même. Mais voilà, moi, à mon esprit, c'est le crâne devant chez toi, bah, tu nettoies. Je pense à moi, parce que je pense que c'est ça le civisme, t'as pas trouvé la tête. Voilà, si c'est crade devant chez toi, et toi, quoi, tu vas pas. Enfin bon, je sais pas. Enfin, moi, je vois comme ça. Après, la délibération, c'est de le maire envisage de prendre un arrêté. Là. Si tu vois, c'est ça qui était bien, ce que tu rendais à la c'est pas une délibération. Grosso modo, il n'y a pas de vote. Mais bon, vu le sujet et tout, ce que j'ai déclaré, c'est qu'on le mette comme quoi l'ordre du jour, en étant de discuter. Donc là, si vous en êtes d'accord, à partir de maintenant, partir sur ce côté expérimental sur un an, via, pour le coup, un arrêté, parce que du coup, on est obligé d'avoir le. Ah oui, c'est la compétence du maire. Il faut bien voter. Le conseil municipal ne peut pas dire au maire s'il faut bien voter si tu prends une décision. Non, parce que sinon, concrètement, comme ça, l'arrêté, ça fait partie des pouvoirs de police du maire, je pourrais le prendre sans qu'on en parle, si tu veux. Voilà, c'est vraiment une décision. Voilà. Non, mais je préfère encore. Non. En décision du maire. Moi, je vais te dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je nettoie devant chez moi. Voilà, Non, mais je dois passer à peu près, aller dans l'année, une heure. Oui, mais voilà, parce que c'est facile. Mais où c'est, j'ai vu, par exemple, moi je prends le village que je connais, où c'est goudron, où c'est du bicouche rouge, là. Ah, et que, là, mon petit gars, il faut prendre le couteau. C'est ce que je fais, moi. Voilà. Et quand tu sais ce que passe actuellement dans les salaires, il passe 40 camions par jour, qui sont en train de tout défoncer, enfin, vous verrez. Je veux dire, j'ai pas envie de voir quelqu'un qui nettoie son. Il y a même pas balayé le caniveau. Et c'est pas la question de nettoyer ou pas nettoyer. Moi, le problème se pose pas là. Le problème, il se pose de dire question mercantile, c'est-à-dire qu'on a augmenté les impôts de 5%, on a levé 700 millions d'emprunts, et maintenant, il faut qu'ils nettoient devant leur maison. Moi, j'y vais pas. Moi. Ah, bah non. Demain, ça va être quoi? Non. On est dans un milieu rural où les gens. Je vais pas dire que c'est des appels pour le cimetière. Ça s'appelle dans le cimetière, alors. Après, c'est deux sujets qui sont différents, si tu veux. Le problème pour les camions, les fabricants d'interprètes, les phases dont tu parles, c'est les travaux du. C'est sûr. Ah oui, non, je parle au niveau sécurité, là, c'est tout. Ah oui, d'accord. Il y a plein de. Non, toujours en liaison avec le nettoyage des abords. Mais. Là, ce qu'on est sur la partie désherbage, c'est pas tant lié à la partie financière. Non, mais j'ai pas connu. C'est sur le côté, c'est ce qu'ils ont dit tous les deux. T'as un côté civique et citoyen, ils disent tout pas. C'est pas fondamentalement pour une histoire de sous. Toi, je vois comment ils sont faits ici, les anciens de la commune, je sais ce qu'ils vont en penser du truc, quoi. Non, mais. Ah bah, et c'est pour moi que. Mais regarde, c'est la gestion des varennes. On parlait des fossés tout à l'heure pour les varennes. C'est pareil. Aujourd'hui, concrètement, les varennes sont assumées par le personnel communal. Et pas tant par choix, mais par nécessité et besoin. Parce que tu n'as plus. Parce qu'il faut quelqu'un, personne. Ah bah, faut quelqu'un. Dans le cadre de Gemapi, par exemple, pour les discussions qu'il y a dans le syndicat du Nord à Foulereau, il y a carrément un transfert d'emploi de l'éclusier. Par exemple. Donc. Moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est vraiment le côté écologique où ça peut faire tenter la dérive, justement, du retour de produits. Exactement. De grâce, parce que les gens vont. Une personne qui a 60 ans, qui a des problèmes d'arthrose et autres, va pulvériser, va y arriver sans corps, va pulvériser plutôt qu'à grimper. C'est ça que tu veux encore voir revenir ces produits-là, parce que justement, nous, on n'est plus là, et on n'est plus là pour être un peu le garant de ce genre de travail-là. Et voilà, j'ai vraiment peur que ça entraîne justement que chacun vienne remettre ses produits qui vont bien. Moi, je pense qu'un arrêté, ça ne changera rien. Les gens qui font rien, ceux qui ne font pas le plus, je pense qu'on ne verra pas la différence. Pour moi, c'est pas, je vois, très utile, parce que je dis, ceux qui ont l'habitude de le faire continueront, ceux qui ne le font pas, ils ne le font pas. Il y a les résidences secondaires qui sont là. Et ceux qui sont forcés de le faire, le font n'importe comment. Enfin, qui se sentiront forcés de le faire,
le risque de le faire n'importe comment. Bah, ils ne peuvent pas être forcés de le faire. Hein. Non, mais bon, plus, on va dire plus contraint, un peu plus psychologiquement. Quoi. Donc j'ai vraiment peur que... Donc vous soyez partis, ils n'ont pas peur d'arrêter parce que ça n'a pas... Moi, je pense que c'est très culturel aussi. Hein. Quand tu vas en Écosse, par exemple, où les gens, les parterres devant toutes les maisons, tout est soigné, nickel. C'est presque une compétition entre les... Parce que les gens sont fiers, ils ont un sens prononcé, puis ils sont fiers aussi de présenter leur village, leur maison aux autres. Quoi. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Hein. C'est culturel, là. C'est donc, ça sera... voilà. Bon. J'ai pas trop... C'est vrai que le retour au produit qui évoquerait cher, c'est pas, ça peut être une tentation. Vous avez un trottoir avec de l'herbe, parce qu'on parle que d'herbe. Là. Oui. Voilà, un trottoir avec de l'herbe, que les trucs avec des produits, si on ne peut pas les nettoyer, bah, est-ce que c'est si grave d'avoir de l'herbe sur le trottoir? Ça aussi, c'est une histoire culturelle. Il n'y a pas que les trottoirs, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans certains villages comme on y a l'intel, t'as aussi en fait les fossés, tout ça, les fossés, les maisons, oui, tout ça. Donc, sans s'amuser à mettre tout et n'importe quoi dans les fossés, c'est rare. Non, mais à ce moment, je veux dire, s'il y a des érives, il faut qu'il y ait des amendes super fortes. Mais je ne sais pas comment on peut faire ça. Si ça se voit quand on a mis des produits dans un secondaire, la secondaire, hein. Tu peux se réveiller. Alors, est-ce que là on a le consensus là-dessus, c'est-à-dire on va arrêter, mais dans le prochain salon nuit, on va Qui est bon, on observe, on parle là-dessus. C'est pas grave. C'est qui va pouvoir recharger son vélo solaire, ça nous passe. Qu'est-ce qui On n'aura pas d'arrêt. Ok. Alors, deuxième discussion. Béa, tu veux en parler? Ça que nous ne pas. On n'a pas pu prendre cette décision-là en fait, au dernier conseil municipal, puisque le dossier est arrivé juste après, il est arrivé le 31 janvier. On a une demande en fait du Berryer. Donc le Berryer, l'année dernière, était installé à Chocre, à côté de la Cour Cheval. Et donc, ils ont fait une demande pour venir s'installer sur Dolus. Et l'emplacement qui aurait été dans l'idéal serait derrière le City Stade, mais la commission urbanisme a préféré en fait faire passer ce projet avec vous, ce soit au conseil municipal, avant de traiter quand ce soit au niveau de l'urbanisme, donc de façon à ce que chacun dise un petit peu s'il en veut cette structure de s'installer sur le bus ou pas. Parce que c'est un restaurant. Alors oui, c'est un restaurant en fait. Alors, c'est une technique, c'est une espèce de. Je vais vous passer carrément. C'est un grand chapiteau en fait. C'est un grand chapiteau et il y a donc un camion qui est dessus. Oui, et on le voit parce qu'il est joli. On peut regarder sur internet. Alors c'est vrai que moi j'y suis allé plusieurs fois l'été dernier. Je trouve que j'avais discuté avec lui, il y avait des problèmes là où il était à Chaux, parce qu'il amenait quand même, il profitait des publics de la Crocheval, et puis de la Crocheval profitait aussi de son public à lui par rapport à leur spectacle. Par contre, c'est vrai qu'il était sur un secteur concurrentiel dans le Nord, avec tous les restaurants de camping, tout ça, tout le monde l'a vu un peu d'amour. Je crois qu'il a été, pour avoir vu ce qu'ils font, je trouve que c'est des bons professionnels. Parce qu'ils font, par exemple, il y avait 250 personnes, ils sont capables d'envoyer des recettes vitres chaudes, des choses comme ça, donc ils font des prestations. Je trouve que, à Dolus, bon, on a
pas pléthore de restaurants, on aura un bientôt, un grand, mais pour l'instant il est voilà. Mais je trouve que, de ce point de vue-là, je pense pas qu'au niveau de la concurrence, les gens de l'ONUS vont se plaindre. Au contraire, ça va faire un plateau. Voilà, on a plutôt un coup à jouer de ce côté-là. Et c'est vrai, j'avais peur que ça s'installe à la Caillitière. Moi, je suis plutôt favorable à ce qui est prévu. Il n'y a pas de concert, non, si. Ah, si. Si, il y a des concerts. Bah, et Philippe, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants, il y a quand même deux qui vont être repris là. Donc, leur mettre ça dans les pattes tout de suite. Ça change rien. Tu sais, sur les restaurants, je vais t'expliquer un truc. Un restaurant, sur un territoire, sur une commune, il y a ce qu'on appelle une offre de restauration. Moi, par exemple, quand je suis avec des clients, il faut que j'aille manger, bon, je suis à Dolus. Dolus, pour moi, il ne faut pas y aller parce qu'il y a un restaurant. Tu vas y aller, il va être complet. Tu vas y aller, il va être fermé. Donc, je vais direct à Saint-Pierre. Je sais qu'à Saint-Pierre, je ne vais pas galérer à trouver. Je me casse le nez sur 2-3 restaurants, je fais le tour, et au bout d'un moment, ça finit à Leclerc dans le truc, parce que quand tu es booké partout, sur les ailes de saison, vraiment, les restaurants sont complets, il faut attendre, et que c'est complet, ça finit comme ça. Donc, à un moment donné, voilà, on n'est pas. Au contraire, ça appellerait. Il nous faudrait 2-3 restaurants de plus, justement, pour que Dolus soit identifié comme un endroit où il y a des restaurants et on peut manger à Dolus. Mais en dehors des prestations très particulières du Grand Large, qui est en 4 étoiles, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, des petites choses, mais il faudrait. C'est vrai que je m'occupe de commercialiser le truc, le Adolus, c'est plutôt un bon restaurant. Voilà. Vas-y, vous pouvez rire. Ben, vas-y. Ouais. C'est vrai. Pour le marché gourmand qui est pas fragile parce que maintenant ça y est, c'est instauré, mais bon, on peut imaginer qu'à 100 mètres, on aurait cette structure qui couvre quand même 150 ou 200 couverts. Plus que ça, 250. Ouais, 250 mètres. Bon, 150 mètres, une capacité de 200 personnes sur la place, plus une capacité de 200 personnes. Bien sûr. Voilà, on pourrait avoir peur de ça, mais. C'est la restauration, mais c'est surtout une animation. Je pense que ça peut faire vraiment. C'est quelque chose. Et je suis sûr que les restaurateurs, ça peut leur donner aussi un élan, ça c'est sûr. Il ne faut pas le voir comme un concurrent potentiel. Au contraire. Si ça marche en plus, ça reste passé. C'est comme l'autre qui est venu. Donc moi, j'ai pas mal échangé et discuté avec lui, donc il est au courant de la méthode qu'a proposée Béa Cuchon. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est tout à fait à notre disposition pour s'engager dans les thématiques qu'on souhaite. Donc je vais expliquer la dynamique dans laquelle on était, notamment Richard, sur la partie qualitative pour le resto de nuit, sur la qualification des restos actuels et futurs et sur les enjeux liés à la restauration, qu'il a bien compris tout ça. Idem pour la partie du volume sonore avec notamment ce qu'on appelle l'arrêté camping, qui existe déjà sur la commune, notamment pour l'été, où il y a 3 soirs par semaine jusqu'à minuit, pour justement se caler pour éviter les conflits d'usage, on a fait là-dessus. Il a fait le lien avec Art de Cirque, pourquoi qu'en termes de programmation sur les dates, parce que Art de Cirque a promis pas mal de choses sous chapiteau, il tombe en concurrence, notamment pour la partie de concert. Idem avec le théâtre d'Ardoise, avec les dates du théâtre mardi, vendredi, etc. Parce qu'on avance pas mal avec le théâtre d'Ardoise, le service urbain, les services de l'État, pour sortir par le haut de la situation un peu compliquée là. Donc voilà, lui il est vraiment dans une optique d'être arrangeant pour retrouver sa place et pas y aller en mode gros bourrin, je m'installe. C'est 15 fiches de paye, par exemple, le berger. C'est beau. Hein. Ouais. Voilà. Et ça rapporterait. Je parle toujours, machin. Ça rapporterait quelque chose de... Alors, comme on a validé, tu te rappelles, au début, le taux d'occupation, et comme l'avenir, comme vous le savez, l'avenir constructif de Dolus, c'est sur cet endroit, et que là, pour le coup, il va falloir parler réseau, parce que ça demande du jus, voilà, là-dessus, l'idée étant qu'on calcule combien coûterait son loyer par rapport aux travaux d'infrastructure à faire
pour amener les réseaux là-bas, et du coup qu'on fasse une paire de coûts. C'est-à-dire que le loyer paye les réseaux, comme ça du coup pour l'aménagement futur de la zone, ce serait déjà fait. Sachant que, en parallèle pour la partie toilette, on a reçu de la CDC, enfin je vous le donne, mais dès que j'y pense demain, une super note de Sylvie Lebouris qui bosse à l'Écopôle dans le cadre de la région Léron Déchets, sur le point exact de la réglementation à date sur le développement des toilettes sèches. Donc là, on a récupéré toutes les infos, les notes, la législation, la technique, pour la collecte, la gestion, du coup, l'épandage, le temps de maturation, pour ensuite que ce soit réutilisé en amendement agricole. Donc là, du coup, on aurait le double usage pour eux, parce que c'est ce qu'ils avaient déjà à Conchal. Merci. Oui, c'est un contenu, exactement, qui sera implanté où exactement. Là, pour l'instant, il n'y a pas la date exacte. Comme derrière le City Stade, sur la. Là où il y avait des bâches landaises. L'accès, c'était. Et pour une durée minimum de combien? 15 juin, 15 septembre? Ah, bah là, de toute manière, on va être à 3 mois, bien, je pense, à l'urbain. C'est 3 mois max. L'accès se ferait par le chemin de Chambré ou... Et bien, par le parking. On n'a pas encore de plan d'implantation. Hein. On n'a pas eu. S'il y a eu une demande, vous avez pas encore. De toute façon, on n'a pas voulu traiter le dossier tant qu'on n'avait pas, en fait, l'accord du conseil municipal. Donc, l'idée, ce serait 3 soirées maxi par semaine. Alors, dans le respect de cet arrêté qui termine à minuit. Après, s'il veut à un moment donné faire un concert acoustique ou quelque chose, s'arrête à 11h, il peut. Et quand ils font des concerts, ils ferment les moches, enfin, il y a des vents qui sont plus forts, qui baissent, voilà. Bon. Ils ferment, au Berne, il démarre à Choc, ils ferment en fonction des vents, en fait. Quand, vents, si quand ils ont commencé à faire frais, ils fermaient, et en fonction des vents, surtout. Après, ça, c'est à travailler avec lui aussi, cette partie. Ouais. C'est pour ça qu'en termes d'état, parce qu'avec l'hiver, c'était. Nous, on a reçu. Parce que moi j'ai reçu 3 fois en tout, dans tes dossiers. Le dossier, tu l'as fait tourner ou pas? Le dossier qui tourne, c'est celui qui avait été présenté pour la commission d'Urba à Saint-Georges. Donc, on lui a dit, avant de redépenser des sous pour notre truc, on fait ça d'abord ici. Si vous en êtes d'accord et on va voter pour la suite, là, ça vaudra le coup qu'il y ait en vrai. En parallèle, on va pas voyer voile Urba. Ça le fait ou pas, donc la partie de vie au réseau. Et du coup, là, tout un boulot avec les voisins, pour prévenir, au même titre que ce qu'on fait depuis janvier, avec les voisins de la gaitière, de côté, sur les rues, pour bien se caler avec tout le monde. Ouais, oui, il y a 70 places, c'est qu'il y a Patrick Bernard. C'est pour ça que c'est venu qu'il va être en guerre. Juste à côté de chez lui. Parce que déjà, les gens ne se regardent pas bien. Le parking, ouais. Le stationnement, ça va trop longtemps. Parce que le parking, là, il était immense et il était blindé. On voit sur les photos. Il est immense et il est rempli. Et ces services continuent. Donc, si on avait acheté sur le petit train, on vous est parlé des bonnes mandales, on aurait notre petit train. Non, mais je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est scaler avec Ileo, je pense, pour pouvoir utiliser leur parking lundi soir. C'est loin, mais justement, et d'avoir. Parce que le cocktail Bernier au Léru. Ah oui, là, c'est où il y aura les deux, parce que. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi qu'en termes de sous-sous, on en parle à la prochaine commission des finances. En termes, donc, nous, vous savez, on n'a pas de produit sur la commune. Seul qu'on a, c'est ce qu'on appelle la location et la vente de l'occupation du domaine public. On a validé là-dessus. Grosso modo, grâce au boulot qu'on fait à droite, à gauche, etc., Marie, je crois que je vous propose que j'ai tout ça en tête, mais je crois qu'on est passé de 16 000 euros de rentrée en 2013. Sur un an, à quasiment 45 000 l'année dernière. Donc, sur toutes les manifs du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est aussi, pour nous, un levier sur lequel jouer, parce que ça correspond de facto et à l'attractivité en termes de contenu, et aux rentrées sur Nantes et Trébuchon. Sur les parkings, je ferai juste un petit rappel par rapport aux feux d'artifice qu'on a organisé l'année dernière. On a géré 10 000 personnes. Ouais. Donc, avec un faux véhicule,
plus qu'important. Il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on est largement capable de faire le même principe, de gérer voilà, le stationnement des véhicules. Alors, je pense que... Tu peux appeler de ça? Oui, au partir du moment où on s'est anticipé, je pense qu'on peut travailler ensemble pour gérer des flux de. Eh bien, on en profite du coup pour se faire un combo à la prochaine commission Wari. Comme ça, du coup, si toi tu viens pour la partie ELEG, hein, Gérard, oui. Ça on fait les deux ensemble. Pour la prochaine fois, Patrick, en commission Wari. Super. Donc, pour le dernier, alors là, c'est pas un vote officiel, mais c'est pour avoir l'avis. Donc la question c'est, est-ce qu'on poursuit la gestion et l'examen du dossier? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi je m'abstiens. Alors toi tu t'abstiens, une... Ah, attendez. Abstention donc, Yvette, Daniel, Julie, Michael, Béa. À rappeler les conditions que tu as vues avec lui. Sur les heures de fermeture, le son, etc. Alors l'avantage quand même avec le patron du Berlier, ça n'a rien à voir avec Nicolas. J'ai peur, pas de Berlier, il va te dire oui, et puis ça lui fait peur. Mais comme dirait un certain Michael Biao, je suis carré. Puis de toute façon, ça repassera pas devant la même chose. Après, jusque-là, ça n'aura pas le temps. De quoi? De toute façon. Bon, très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, décision du maire. Donc, 2018/3. Donc, modification du lot 1, seule confiance pour la Ludo. Donc, il y a des travaux complémentaires de ravoirage du sol du bâtiment. Donc, en fait, c'est mettre les chapes à niveau pour 4 680 € TTC. Donc, cette plus-value porte à 24 582 le montant du lot 8. Et donc le marché total, c'est 294 796,70 €. Le ravoirage, il est une intervention partie du sol existant, ou alors c'est que les travaux étaient mal faits, qu'il y avait besoin de faire un ravoirage pour rattraper les conneries? Non, ça a été sur les travaux existants, parce qu'en fait, ils sont aperçus que sur la partie où tu avais l'ancien logement d'urgence, en fait, tu avais une dalle qui avait été rajoutée. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette dalle qui avait été rajoutée, elle était sur toute la partie. Au début, quand ils avaient fait les premiers sondages, ils avaient trouvé que sur la partie gauche, celle qui est du côté du garage d'Eddy. Et en fait, c'était partout. Et en fait, quand ils ont regardé l'ensemble, ils ont dit que c'était plus simple de tout mettre à niveau comme ça. Donc, si vous voulez, si vous y passez, vous pouvez passer pour voir les travaux là. Donc là, quand je vous envoyais le SMS la semaine dernière, je ne sais plus quand c'était, ils mettaient l'isolant bois. Donc les huisseries sont posées. Ça y est, toutes les cloisons sont pétées à l'intérieur. Franchement, c'est propre. Hein. C'est un beau truc. Hein. Il y a ça. Ensuite, donc, Sylvie, tu veux peut-être dire un mot pour la décision d'après, le fait de confier à SARL, Altitude Conseil pour Tourisme, l'étude pour le label commun touristique. Expliquer Lionel. Non, mais sur le choix ou sur la station, enfin le travail qu'on met sur la station classée. Oui, je sais pas, la station classée, vous êtes dans l'info complémentaire, vous avez bien compris toutes et tous le principe du truc. Non, bon. En fait, si on devait simplement renouveler notre classement actuel, on peut le faire à la maison, tout seul, on peut le faire avec la mairie. Mais là, si on veut aller dans la logique d'aller sur une station classée, c'est quand même un dossier qui est épais. Et là, pour le coup, un cabinet, 13 000, c'est pas tout à fait combien c'est, mais bon, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Je crois que les autres, ils ont fait comme ça. Ils sont passés par ce cabinet. Donc, ce qu'on a fait pour votre info, pour être dans une logique de mutualisation, donc on a rappelé Saint-Denis et Saint-Pierre, mais le problème, c'est qu'en termes de timing,
on n'était pas calé, on est beaucoup plus en avance par rapport à eux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le timing, nous, en octobre, arrive à échéance notre label de commune touristique. Et donc, en fait, on va profiter de ce travail, c'est ce qu'on a fait dans la Lego, pour qu'à l'occasion du boulot qui est fait, ils vont nous faire en même temps le label commune touristique. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas attendre. Ensuite, on leur avait quand même demandé si on pouvait même si on décale le temps de travail, mutualiser quand même certaines parties avec les autres communes, si on prenait le même opérateur, il n'y avait rien. Ça négociait à 500 euros ou 1000 grands matchs. On améliore les chances de succès parce que c'est quand même un dossier qui est pas simple. On va aller chercher un petit truc qui va faire qu'on va être éligible, alors que des fois, il peut nous manquer des critères et qu'on passe à côté. Voilà, donc ensuite l'intérêt c'est que ça double grosso modo les droits de mutation. Donc pour les communes comme nous, alors, sur les chiffres constants, c'est on peut imaginer 100 000 euros de fiscalité en plus. Alors, ce n'est pas la fiscalité qui vient de la part des personnes, c'est par rapport au calcul avec les dotations de l'État. Et ça améliore vraiment aussi les indemnités des élus. Alors justement, il y a un point, en fait c'est pas obligatoire votre déclin. Ouais. C'est la majoration des indemnités des élus. Donc, c'est l'article 133-16 du Code du tourisme précise que les majorations des élus peuvent être votées par les conseils municipaux, classant station de tourisme. Les règles sont fixées par l'article 21, 23, 22 du Code général des collectivités. À compter de la date de publication au journal officiel, le conseil peut prendre une délibération de majoration. C'est le Château, par exemple. Mais c'est peu prendre, c'est pas automatique. Si la commune perd son statut, à l'expiration du délai de validation, parce que c'est il y a un temps, hein, toujours, cet avantage octroyé n'a plus lieu. Voilà. Alors ensuite, concernant les travaux des restaurants du cœur. C'est une subvention. Ah oui. Donc, le nouveau plan de financement pour les restos, vous l'avez ici. Nicole, parce que moi ça te concerne. DETR, donc le classique, un maîtrise d'œuvre travaux. Donc DETR, 69 800 €. Contrat de ruralité, fonds leader et le département. Donc l'idée, c'est solliciter la subvention de l'État. Donc DETR, qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Donc là, on espère pouvoir l'avoir cette année. C'est pas sûr, parce que visiblement, selon les infos qu'on a eues, maintenant la DETR, c'est une année sur trois. Comme on l'avait déjà eu deux ans, pas sûr que ça passe. On va voir là-dessus. Et alors, ensuite, dans le cadre du volet du contrat de ruralité pour l'exercice 2018 sur le volet cohésion sociale, donc 55 800 €. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le DSIL, le contrat de ruralité. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de FSIPL. Alors, le FSIPL est donc devenu le DSIL. D'accord ? Il y en a qui sont perdus, hein, auprès des photocopes. Et donc, celui que vous n'avez pas, et je vous le lis, de solliciter une subvention auprès du département dans le cadre du fonds d'aide à la revitalisation des centres des petites communes au titre de la réhabilitation de bâtiments communaux destinés au maintien d'une activité caritative pour un montant de 36 000 €. Donc, ça, c'est ce que vous avez en bas de la dernière ligne département. Donc, sachant qu'en termes de timing, le bureau d'études est passé pour la partie structure. On attend le second bureau d'études pour la partie fondation. Ah, Marie, c'est ça ? Oui. Ouais. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est calé, parce que c'est des taux pour le go-no-go, et ben c'est parti. Consultation. Consultation par l'architecte consulte pour trouver les entreprises. Voilà. Et ensuite, mise en œuvre des travaux. Et donc, en lien étroit avec les gens des Restos du Cœur au niveau départemental qu'on a rencontrés. Deux fois aussi. Ouais, deux fois. Et qui donc du coup vont écrire à la communauté de communes pour faire un point avec eux pour dire voilà, là on est quand même sur un équipement à destination de l'ensemble des gens de l'île de Léron. On va pas commencer à faire d'exclusives, salut, t'avais tout, tu dégages, j'ai entendu, ça n'aurait pas de sens. Voilà, donc là, c'est parti là-dessus. Donc là, c'est les Restos du Cœur qui vont gérer ça directement. Vous faites la communauté. Alors, par contre, si au niveau du plan de financement, donc là, notre participation serait de 62 000 €, à peu près. Dans le cas où il y a des partenaires institutionnels qui soient défaillants, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on y va quand même et les 700 000 € vont être actionnés ? Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. Parce que l'emprunt qu'on a fait. L'emprunt de 700 000, il était basé sur le coût total hors taxe
ou déduction faite des subventions. Il y avait deux options, parce qu'en fait, tu avais plusieurs projets en même temps. Et donc, l'hypothèse haute, étant qu'on ait 100% des subventions, donc on aura moins à prendre dans l'emprunt. L'hypothèse la plus basse, on n'a aucune de ces aides, et là, il faut qu'on autofinance tout. Et le scénario médian, j'espère, c'est qui est celui vers lequel on devrait tomber, pour arriver à mêler et subventions et emprunt. Non, l'emprunt, il n'est pas obligatoire d'emprunter les 700 000 euros. Mais c'est fait, l'emprunt, on l'a fait. Voilà. Mais c'est pas que pour les Restos du Cœur. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu emprunter beaucoup moins. Par exemple, on aurait pu emprunter 500 000 si on compte toutes les subventions pour les Restos du Cœur. L'emprunt, on a calculé le montant de l'emprunt sur le montant des autofinancements, de l'autofinancement. Je vais pas, à partir du moment où... Ah bon ? Non, bah c'est ce que je demande. C'est que le résiduel. On emprunte sur le résiduel, sauf que le résiduel, il a fallu l'évaluer. Donc on est parti sur une... comme le on est 700 000 euros sur le résiduel ? Mais pas que. Il y a le cimetière. Il y a le cimetière. De toute façon, dans les enveloppes que vous allez avoir, vous avez toutes les explications. J'ai du mal à trouver 700 000 euros. Hein. Non, mais. Vous aussi. Non. Hein ? Tu dis, toi aussi ? Moi aussi, non, mais. Non, mais j'ai du mal à trouver 700 000 euros dans l'autofinancement, dans tous les projets. Là, je n'ai pas les chiffres, là. D'accord. Mais tu regardes déjà dans le cimetière, le cimetière, il était prévu à 100 000 au départ. 150 000. Bon, là, j'ai vu que maintenant, il y a 150 000. Il était prévu à 100 000. Ah non, j'ai vu quand même au départ, il y avait 100 000. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Ça a été 150 000. Bon, 150 000, là, il y a 62 000. Après, il y a la ludothèque. La ludothèque, elle est quand même pas mal subventionnée. Elle revient à combien la ludothèque, l'année dernière, on avait prévu de recevoir de la DETR, ce que vient d'indiquer le maire, pour 56 000 euros sur la ludothèque, et on a eu zéro. Donc il faut les financer. Les chiffres, voilà, c'est étudié en commission de finances. Tout est expliqué dedans. Donc là, après, si justement, quand je vais vous donner les enveloppes, vous regarderez ça chez vous à être posé. Et si vous avez des questions, je vous encourage à me les poser avant les réunions, que je puisse les préparer. On va refaire le débat qu'on a eu à l'époque en discussion avec Patrick Picard. C'est que vu le coût de l'argent à l'époque et vu la capacité d'endettement de la commune, de qui se calcule toujours sur la capacité de remboursement de l'emprunt par rapport à son autonomie. Par rapport au risque que tu as, si tu es à 1 an, 3 ans, 10 ans, 15 ans, etc. C'était beaucoup plus facile et plus intéressant maintenant de disposer de l'effort financier. En fait, grosso modo, tu as un gros emprunt par mandat, si tu regardes. Enfin, grosso modo. Et que donc, du coup, c'était plus simple en termes de disponibilité et de facilité d'opérer de cette manière avec le trésorier public pour pouvoir justement jongler en fonction des nécessités de sans mettre la commune en danger par rapport à ce que Saint-Pierre a connu il y a quelques années, quand ils ont été à ça de la mise sous tutelle, parce que c'est ce qui explique d'ailleurs, que je ne sais pas si tu as regardé les taux de taxes d'habitation, c'est quasiment à 12% à Saint-Pierre, et à 7,54% chez nous. Parce qu'à un moment donné, ils ont été obligés d'eux, enfin, tu te rappelles la situation des codes. Voilà, alors ensuite, donc Maryse, vous dites comme ça, donc dernier point, vous dire que en lien donc, avec les autres associations d'élus, parce que ça bouge pas mal là-dessus en ce moment, notamment avec le projet de loi qui devrait arriver au mois de mars, donc on va porter un regard attentif sur ce qu'on appelle les fake news, alors vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire ce projet de loi qui permet d'utiliser la solution du référé à partir du moment où, notamment sur les réseaux sociaux, se propage ce qu'on entend à droite à gauche, quels que soient les sujets. Donc dernièrement, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'activer là-dessus ? Parce qu'on a été victime sur Dolus d'une, moi j'appelle ça vraiment de la malversation intellectuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vis-à-vis d'un habitant de Dolus à propos d'un projet de permis de construire. Donc du coup, à une histoire qui est complètement, comment dirait Jaco, accabra dans le voilà, vous avez compris là-dessus, qui était montée en épingle, dont du coup
coup, eh ben, des personnes en sont victimes. Pour moi, un, je trouve ça nul. Et surtout, en plus, le principe de ce permis dans le cadre des dossiers qu'on a sur la loi littorale est particulièrement important et intéressant parce qu'il contribue directement à la définition des fameux bourrés à mots, qui sont la condition sine qua non sur laquelle on est en train de se battre pour peut-être demain, on puisse continuer à construire dans les... Donc voilà, c'est plusieurs fois qu'on en discutait là, les uns les autres, mais là, je pense que ce qui s'est passé là, sur ce dossier-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que des gens soient d'accord ou pas avec ce qu'on fait, ce qu'on enlève, ça n'y a absolument aucun souci. En parler à visage découvert plutôt que se cacher derrière un faux anonymat, pas très courageux non plus, l'histoire d'anonymat. Donc voilà, donc on va activer cette histoire de fake news. Donc là, je vous dis juste maintenant, on va voir comment le projet de loi va évoluer là-dessus, mais voilà, on sera attentif parce qu'il est inadmissible que les personnes qui n'ont rien demandé se retrouvent traînées dans la boue de manière injuste pour en plus des conneries, parce qu'il n'y a même pas les bons éléments qui sont jetés en pâture. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. Et ensuite, dans questions diverses, présentation du projet d'aménagement paysager de la place du marché, donc réalisé par le service espace vert de la commune. Donc Sylvie, tu veux dire un mot peut-être? Oui, ben, ce que nous avons c'est l'aboutissement de... Ça fait quand même plusieurs mois que ça cogite sur cet aménagement de marché pour essayer de... d'en faire quelque chose d'un peu moins minéral, avec plus de verdure, un endroit où on puisse se poser, un peu d'ombre, etc. Donc, il a fallu prendre en compte plein de contraintes que sont l'installation des tableaux du marché, les marchés de nuit, les différentes manifestations, dont les rues qui occupent quand même beaucoup de cet espace quand c'est rempli partout. Voilà, et donc on s'est mis d'accord sur une solution, on va dire, intermédiaire par rapport à l'oasis de verdure totale où on boucle tout, on ferme tout, alors super agréable, mais qui est quand même trop figé par rapport à nos activités et animations qui sont développées. Et puis, à l'autre opposé, les deux malheureux petits arbres qui sont un peu tristounets. Voilà. Alors, on avait déjà amélioré les choses en mettant sur le fond de la place des aménagements. Il y a des gros bacs aussi qui ont été installés devant l'escalier là, à gauche de la poste. Bon, là, l'idée, c'est de recentrer un petit peu les choses autour de ces deux arbres, d'en faire un espace délimité. On est encore en train de réfléchir au niveau du sol, marquer cette délimitation, y installer deux bancs, trois gros bacs avec de la végétation qui pousse vite sur l'été et qui en fasse tout de suite un espace de verdure, et puis protéger un petit peu les petits arbres avec des ganivelles autour et lui donner un petit peu plus. Voilà. Donc on s'est arrêté à ça, et c'est ce qu'on vous présente ce soir, et ce sera donc réalisé par le service des espaces verts, sachant que les bancs, c'est des bancs qui existent déjà, qui sont un service technique, donc ils vont être repeints et mis en état. Les bacs, c'est des bacs qui ont été récupérés chez Sourbier, sont des palox qui servent à la récolte des pommes, là, des grands bacs en bois. Voilà, donc l'investissement va surtout concerner les plantes qui seront mises dans les bacs et puis une réflexion sur ce qu'on met sur le sol. Voilà, c'est pas encore arrêté, mais on s'est mis d'accord sur le principe que c'était important que ce soit bien délimité, que la zone soit bien délimitée aussi pour éviter que les voitures viennent se garer n'importe où. Voilà. Sachant que toi, Richard, en complément, tu as été allé mesurer sur place, ouais. Et tu as vu le sol un peu pour voir. Le sol, voilà. Alors après, c'est vrai que par rapport au marché, par rapport, c'est la contrainte première, mais la nécessité d'avoir du vert dans ce centre-ville est quand même primordiale, quoi. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir qu'on compose de plus en plus avec cette nécessité justement de remettre du vert dans le centre-ville, parce que rester minéral comme ça éternellement, c'est pas c'est l'entretien en plus, hein, parce que comment c'est de l'entretien en plus. Oui, c'est sûr, c'est l'entretien des riverains qui viendront. Mais là, on est la poche qui viendra nettoyer. On est assez limité en termes d'entretien, et je rajouterais que c'est aussi une expérimentation, c'est-à-dire que
Rien n'est définitif. Hein. On ne fait pas de gros aménagements avec des gros travaux au niveau du sol, etc. Il y a rien. On peut bouger les ballocks, les bancs peuvent être bougés. Enfin voilà. L'emmerdement, comme c'est présenté là, ce serait synthétique dans un premier temps, du coup, ça va être... Non, ça a été suggéré, mais pas du tout satisfaisant. L'idée d'avoir un gazon synthétique ne nous paraissait pas du tout adéquate. Donc, l'idée, c'est de voir ce qu'on va mettre sur le sol. J'attends les propositions de Damien. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait aussi de bois, voire. Un peu chaud, proche un peu avec le sol minéral. La surface, Sylvie, je me souviens. On a dit 50 mètres carrés. Ah oui, je crois que ça coûte. C'est à peu près 50 mètres carrés. Voilà. Ouais. Alors, le schéma n'est pas forcément évident de bien voir, mais voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est autour des deux petits arbres qui existent. Et en complément par rapport à la texture au sol ou les matos possibles, quand je suis allé au congrès des maires, j'avais du coup ramené, j'ai fait le tour des stands, des spécialistes qui vendent de tout ça, et donc j'avais ramené les docs à Laurent, qui a tout là pour qu'on puisse avoir les échantillons. Alors, après, par rapport au marché de nuit, on peut le voir comme un handicap, enfin comme quelque chose qui va nous gêner, mais aussi on peut justement le voir aussi comme un oasis, parce que c'est vrai que il va y avoir une organisation complètement différente par rapport aux tables et par rapport au câble, certainement, mais ça peut-être nous apporter aussi une value au niveau de l'esthétique. Il faudrait être vigilant parce que il y a beaucoup de riverains autour qui sont plutôt âgés avec des petits chiens. Alors plutôt qu'aller faire chier chez eux, à mon avis, faut pas le faire envers. On met pas des fleurs sur le sol là, hein. c'est des bacs encore. Ah, oui. Donc les chiens, ils faut qu'ils soient âgés pour aller chez eux. Il va y avoir du poisson sur le. Non, pas forcément. Elle parlait de voix là, comme des souris. Non, on parle. C'est vert parce que l'idée c'était juste de voir comment on délimite l'espace. Et Damien avait fait une proposition comme ça de gazon synthétique, mais qui nous a pas du tout satisfait. D'accord. Moi, j'aime bien les deux. Okay. Allez, voilà. Donc, la suite, je continue sur le cours. J'aurais deux questions. Pour terminer sur la place, donc, ce nouveau travail qui est fait. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont contribué. Je suis donc les boulots qu'on a commencé depuis le démontage de la halle pour pouvoir l'utiliser de manière multimodale, cette place à l'année avec des usages différents du 1er janvier au 31 décembre. Et en complément, pour que vous ayez toute l'information, avec Nicole, on a eu lieu dans cette salle à la demande de l'Agence régionale de santé et de la organiser par Alice Lamondet, du contrat local de santé, une réunion la semaine dernière avec 18 professionnels de santé sur Deluce, donc généralistes, kinés, infirmiers, podologues, etc., ostéo, pour la réflexion et pour la mise en œuvre d'une maison médicale sur Deluce. Maison médicale pluridisciplinaire, qui est le sens entre guillemets, de l'histoire pour le développement de la médecine en milieu rural, donc ça a bien avancé, là je vais terminer le compte-rendu, et du coup, alors s'il y en a qui sont intéressés, on va à la demande de l'ARS et en lien avec les professionnels dont on a parlé, visiter le 29 avril à 8h30, donc départ d'ici à 8h30, la maison médicale de Pont-l'Abbé, qui est selon l'ARS un exemple de structure qui marche bien, à la fois pour l'amplitude horaire, l'identité des services, la prise en compte des personnels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de construction, pour pas que ça impacte sur le budget par rapport au modèle, il y a des plans là avec des opérateurs, parce qu'on pourrait, donc, en rez-de-chaussée, avoir la maison médicale, et du dessus, pourra faire des appartements au-dessus, notamment un appartement pour les remplaçants, médecins. Donc voilà, comme ça, du coup, on ferait d'une pierre deux coups. Deux appartements. Alors ça, voilà, on va faire évoluer tout ça. Et donc ça rejoint la problématique d'aménagement derrière le Citystad, avec l'office foncier solidaire, pour permettre aux jeunes de se loger, en étant non plus propriétaires du sol et de leur mur, mais locataires du sol et propriétaires de leur mur. C'est pas le problème.
Et d'ailleurs, par rapport à la réunion de cet après-midi, là, en fait, il parlait aussi que toutes ces maisons médicales, toutes ces choses-là, que c'est bien de ne pas les expatrier trop loin des centres-bourgs, parce que ça génère quand même beaucoup de flux. Et que c'est, ouais, que c'est vachement important. On a tendance à vraiment voilà, éclater les bourgs avec les écoles, avec toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est aussi en partie responsable de cette désertification de centre-bourg. En fait, hein. Donc je crois même qu'il va y avoir il pourrait y avoir des lois qui pourraient être votées pour donner des avantages à des communes qui privilégieront. Le fait de ramener ces maisons médicales justement dans les centres-bourgs plutôt que de les mettre en périphérie. Pourquoi les vieux ? Il est question de décentraliser. On en a une maison médicale là. Non, c'est pas en fond. On n'a pas de maison médicale. Bah, privée, c'est plus ou moins privé, non ? C'est qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'Agence régionale de santé se rend compte que de plus en plus pour prendre en compte à moyen constant les différentes pathologies des habitants, notamment en milieu rural, il faut que dans un même bâtiment, tu aies 1, 2, 3 qui vibrent, donc ce que tu trouves là-bas au cabinet, mais en même temps, à côté, un cabinet pour l'infirmier et l'infirmière, un cabinet ou un bureau pour l'assistante sociale, un cabinet pour le podologue, le stéo, etc., un secrétariat commun pour gérer les dossiers, une salle de réunion, une salle d'urgence, en fait, c'est des maisons pluridisciplinaires. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi des patients, avec beaucoup plus d'échanges entre les praticiens, et notamment avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'ambulatoire, où de plus en plus, tu ne restes pas à l'hosto, mais tu sors, tu repars chez soi, sur les prises en charge et le suivi, c'est beaucoup plus efficient et efficace des maisons de santé pluridisciplinaires que ce qui existe aujourd'hui dans Dolu, c'est-à-dire un cabinet de clinique là-bas, un cabinet d'infirmiers ici, et dans le modèle économique, en tout cas c'est ce qu'ils font pour la baie, plutôt que chacun paye son loyer à droite à gauche, ou à une SCI, comme c'est le cas là-bas, ou à l'autre proprio ici, en fait, tu mets ton loyer dans le remboursement de l'emprunt qu'a nécessité la construction du bâtiment. Mais qui finance ça ? Alors là, c'est là où tu as différents modules. Ce qu'on va voir pour la baie, ça c'est du privé. Ça, c'est vraiment des gens qui étaient là-dessus. Ah. Ensuite, tu as 100% public. Après, tu as un mélange privé-public. Notamment si tu mets, comme disait Nicole, de l'habitat au-dessus. Tu as vraiment tout un éventail de solutions. Ouais, le cabinet médical, là, ils arrivent tous en retraite. Enfin, vous les connaissez bien que moi. Probablement, ils vont être vendeurs. Il y a des possibilités de construction parce qu'il y a un terrain de 800 mètres qui est à côté. On peut très bien implanter à côté tout ce que tu viens de dire. Non, tu n'as pas la place. Ça ne passe pas. Non, tu n'as pas la place. Même les médecins sont d'accord pour ça. Tu n'as pas la place pour implanter tout. Et le fait de ces maisons médicales, c'est surtout que tous les personnels qui travaillent, c'est-à-dire les infirmières, les kinés, l'orthophoniste, ce que je sais, ils sont tous là d'accord pour travailler ensemble, ils se croisent, ils se parlent des gens qu'ils n'ont pas l'occasion de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge du patient qui est nettement supérieure. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Non, mais je suis d'accord, mais au niveau financier, c'est sûr que... Au niveau de financier... Non, mais c'est pour ça que là, on vous en parle, parce qu'il y a réunion qui sont allés là-dessus. Mm-hmm. Moi, ce que je vais faire, ce que je disais à Marie dans l'aparté, je suis en train de terminer le compte-rendu de la réunion, c'était la semaine dernière. Donc, du coup, il vous sera joint à l'ensemble des docs que vous enverrez après. S'il y en a qui veulent venir pour la date, de toute façon, on la remettra, bien sûr, pas de souci. Et puis ensuite, là, on est sur quelque chose de longue haleine. Ouais. Donc, on a un consensus au niveau de tous les intervenants ici sur Dolus. Et ça, c'est rare déjà. La base, vraiment, c'est ça, c'est le projet de santé. C'est le projet de santé. De toute façon, l'ARS ne nous aidera pas s'il n'y a pas un projet de santé global fait par les professionnels et qui sont nettement très, très avancés là-dessus. Ils ont quasiment fini leur projet. Et tu, dedans, vous incorporez des dentistes, par exemple ? Non, ça n'a rien à voir. Non. Seulement l'urologue. Gynécologue, non. Non, non.
C'est pas nous qui incorporons. Non, c'est la radio, par exemple. Les radios, tu as un hôpital local où il va y avoir un service de radio qui va se construire, ça suffit. On n'a pas besoin. Et tu es à l'autre côté, le centre de marin, on va à Saint-Jean, là, le 8, c'est une inauguration. Il y a. Bon, là, le cardiologue. Comment? Le cardiologue peut-être. Tu as ton âge à l'hôpital. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il peut être incorporé à tout ça? Si tu le désires, oui, tu ne peux pas. Tu vois l'obliger. Alors, en fait, non, mais finalement, c'est infirmière et tout bide, c'est point. Non, c'est pas infirmière. Ah, ben, il y a kiné, il y a pédicure, il y a podologue. T'as deux trucs différents, si tu veux. C'est-à-dire que tu as la possibilité qui est offerte aux praticiens de santé ou de rejoindre physiquement parlant le lieu, parce que là où ils sont aujourd'hui, ou c'est trop petit, ou les mille raisons qui font tenter de rester du bas. Donc là, ils peuvent intégrer. Ou alors, ils peuvent garder leur mur, leurs habitudes de bosser, mais participer au projet de santé par l'école, et quitte à avoir une permanence, un jeudi par mois, je dis n'importe quoi, ou un lundi par mois, où ils viennent consulter et faire leur travail en lien avec les collègues pour justement, les écoles, profiter de la réunion du lundi, où ils font le tour des dossiers, etc. C'est vraiment ouvert, en fait, c'est vraiment dans les deux sens, il n'y a rien de figé, parce qu'on commence en plus sur différents territoires à avoir suffisamment de recul sur différentes expériences de maisons médicales pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le principal problème que tu as eu, ce que nous disait l'ARS dans les premiers échecs, les premières maisons de santé, c'est que c'était pensé par des collectivités qui disaient « Bon, on va faire ça, comme ça des jeunes vont s'installer, on fait le truc, personne n'est venu, et puis là, tu as de la vacance, comme dans ces autres activités, tu as soi-disant le projet génial qui en fait ne marche pas. Et dans le cas, on est sûr que... Bah, on verra bien, hein, Daniel, on verra bien. De toute façon, on est sûr, à partir du moment, Daniel, où tu as les gens qui viennent régulièrement aux réunions, c'est tu peux avoir des bonnes... voilà. Donc, qui peut marcher, quand même. Lancement de la... J'entends toujours dire que les toubibs, ben, ils ne veulent plus venir, ils préfèrent travailler dans les hôpitaux. Les arts médicaux. Non, mais c'est pas que les toubibs ne veulent plus venir. C'est-à-dire que, moi je peux t'en parler, c'est-à-dire qu'un jeune médecin qui arrive aujourd'hui n'a pas envie d'avoir la vie qu'a eu mon père. Et je ne dis pas que la vie de mon père ou Félix était bien, ou Vénard, enfin, tous ces vieux dinosaures du truc. C'est pas un jugement de valeur sur c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que ça a évolué. La population toubib, c'est vachement féminisée par rapport à il y a 20-30 ans. Il y a des nouvelles pratiques de soins aussi, de plus en plus l'habitude de bosser ensemble, de partager l'info pour le suivi des patients. C'est des nouvelles manières d'opérer. La mutualisation du tiers payant, qui n'existait pas à l'époque, il y a un vrai, vrai gros sujet. Voilà, tu as un secrétariat mutualisé pour le monde. Ça fait partie de ces métiers qui évoluent. Voilà. Et là, du coup, pour le coup, tu as des installs de jeunes médecins qui viennent parce que tu as un intérêt aussi dans la pratique. Nous, le souci qu'on a dans l'île par rapport à d'autres coins, c'est si tu as le toubib ou la toubib qui a rencontré son conjoint ou sa conjointe qui est, pendant qu'il faisait son école de médecine, l'autre faisait une école d'ingénieur ou je sais pas quoi, arrivé dans l'île, trouver du boulot pour le conjoint ou la conjointe, mais c'est le même sujet que d'habitude. Ah, un peu chaud de la tête. Donc, si en parallèle, on arrive à développer l'employabilité là-dessus, voilà. Alors, j'ai deux questions. Donc, deux questions, c'est... Bon, j'ai appris des choses qui m'ont beaucoup surpris. J'aimerais savoir pourquoi tu as pris un nouvel arrêté de refus du permis de construire du McDo. Donc, c'est un deuxième refus du permis, sachant que ce permis, l'instruction est close depuis 2 ans, depuis 2016. Et sachant que ce permis de construire fait l'objet actuellement en procédure judiciaire auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, quel intérêt, je n'ai pas du tout compris, le deuxième refus de permis, tu l'as déjà refusé. Ça, la situation m'échappe un peu, j'ai regardé un peu partout, je ne comprends pas. C'est peut-être que voilà, je pense que pas beaucoup, je porte ça à la connaissance des uns des autres. Là, tu as refusé, c'est toi qui avais signé ce deuxième refus. Je n'ai pas bien compris. Parce que tu l'as déjà refusé, il y a une instruction en cours. Non, mais c'est en lien avec la procédure. Alors, pour info, la procédure juridique, donc les mémoires sont arrivées, donc la cour d'appel avait à Bordeaux la clôture des dossiers pour le 26 février dernier. Et ensuite, ben là, nous, c'est notre avocat, nous, on suit les. C'est l'avocat qui t'a dit de faire comme ça. Ah, ben bien sûr, ah ben oui, c'est tout. Moi, je fais le boulot, par contre, on fait le boulot avec lui.
Ce qui vous a indiqué, parce qu'il y avait, alors je crois bien de mémoire, un délai de 5 mois, c'est ça, qui courait à partir du mois d'octobre, je crois, me semble-t-il, où il fallait qu'on se prononce, sinon, de mémoire, je ne voulais pas dire de bêtises, il faut que j'aille chercher dans mes papiers la note juridique, si tu n'avais pas ce refus qui était acté, ça pouvait être considéré comme un accord tacite, malgré le traitement en appel. Alors c'est là où, parce que j'ai vu la réponse qui a été faite par l'avocat, je ne sais pas si c'est Nicoval ou McDo, qui nous a écrit, et alors visiblement, c'est peut-être là où ils ne sont pas d'accord l'un l'autre, parce que je crois que l'avocat de McDo dit, ce soit comme le truc est jugé ou pas, il n'y a pas d'accord tacite possible, alors que nous... Parce qu'il y a une deuxième procédure qui semble repartir, enfin je ne comprends rien à tout là. Ah voilà, nous on, deux refus pour la même chose. Nous on a suivi, et voilà. Pour délai de... Pour délai, ça compte. Ouais, ça compte. Et puis alors, une dernière question. Feras-tu un recours devant le Conseil d'État alors le jour où tu auras perdu en cours d'appel de Poitiers? Tu retournes la question, le jour où la SC Nicolas aura perdu. Non, c'est chaque chose en ses temps, on ne va pas faire l'histoire avant. Là, en termes de délai, pour qu'on soit tous bien d'accord, selon notre avocat, alors, je ne sais pas ce que t'on dit et les tiens, mais visiblement, quand tu analyses les délais d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux, il y a entre 1 et 3 mois, c'est l'info que j'ai eue, c'est la même chose, qui est le temps moyen que la Cour met pour juger à partir du moment où elle a clôturé la réception des dossiers. Donc depuis le 26 février, il y a entre 1 et 3 mois. La deuxième question, c'est qu'après, ça devient un peu d'acharnement. Est-ce que vous allez continuer? Pour la Cour prendre sa décision, et ensuite, elle est rendue publique 15 jours après. Donc, grosso modo, ça veut dire que depuis le 26 février, là, on n'a pas encore d'infos, mais c'est-à-dire qu'au max, ça remet le 8 juin. Donc, en fait, la décision de la Cour d'appel va arriver entre le 26 février et le 15 juin. Ça c'est le calendrier. Voilà, c'est bien. Alors, donc, tant qu'on est dans les questions. Bon, alors quand même, Philippe, on se connaît depuis longtemps. Les crassus de la qualité. Yes. Ah, les crassus de la qualité, franchement. C'est pas moi qui l'ai dit, ça. Je l'ai cité. Ça vient d'un chef. Tout le monde l'a entendu dans le Mais non, mais tu peux pas dire ça. Les mecs se réveilleront pas. Ces gens n'aiment pas travailler, c'est des fumeurs de pétards. T'es jamais venu un dimanche dans les bénévoles qui sont là. Après, les bénévoles, j'ai été... Alors, mais qu'on soit d'accord ou pas avec le truc, par décence... Je suis avec des amis, on dit, mais c'est les crassus de la qualité, donc on est reparti. Dans ces cas-là, tes amis pensent ce qu'ils veulent, mais ouais. Je veux dire, à partir du moment où je pense... Je pensais leur faire découvrir un endroit bucolique. Je pense qu'on est élus, etc. Il y a un moment, on peut être d'accord ou pas sur des modèles, sur des choses, mais on peut pas insulter les gens. Parce que mets-toi à la place des gens qui ont écouté ça. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ces gens n'aiment pas travailler. Mais déjà, qui tais-toi pour juger des gens? D'après ce que j'ai entendu, toi. Mais d'après ce que j'ai entendu, tu dis qu'on est trois cons, nous. C'est pareil, Daniel. Bon, c'est vrai, on m'a dit, c'est le on ou les rosés. Là, tu connais la blague, une colique à Sani, c'est le dysenterie à Saint-Trojan. Bon, on ne peut pas dire. Je t'ai vu le dire, en vidéo. Voilà. On est les trois cons. Bon, voilà. Bon, après, c'est l'histoire. De quoi vous êtes les trois cons? Vous êtes les trois cons? Moi, pas de bois et rabat. De qui? C'est tout trop tranquille. Moi, des tours, c'est toujours le genre de prendre quelqu'un. Ah, ouais, on est toujours ça, mais on va prendre l'école d'arrivée. Vous n'êtes pas de trois cons, plus de trois cons pas. C'est à partir du moment qu'on soit d'accord ou pas sur des sujets, pas de problème, on en discute. Pourquoi je parlais du truc anonyme tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux, etc. Toutes les docs, elles sont publiques. Daniel, l'exemple qu'on citait tout à l'heure. Conseil municipal d'après, on nous demande, je veux un état des relevés du maire des trajets. Conseil municipal d'après, Marie, et donc ils sont là. Attends, je termine juste. Herbès, qui saisit la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir les documents du fief Melon. Une blague. Herbès, en début de mandat, qui saisit la CADA. Nous, que fait Marise, et Noël, et l'Urba, Marie-Christine, on sort les docs. Il n'est pas venu les chercher. Ta sœur qui nous écrit pour nous dire « Je veux avoir accès à l'ensemble du compte administratif et du grand livre
pour le 20 janvier, jour des 40 ans. Merci. Bon. Du coup, prends le bas de combat, on sort tout, elle n'est jamais venue. Ça va venir. Ah bah, elle va venir, très bien, mais ce que je te dis juste, c'est que tout ce qu'on fait, et franchement, pas pour envoyer des fleurs, Maryse, elle est là, elle fait le truc, les points, ils sont là, public, tous les trucs. Pourquoi vous, enfin, vous ou les autres, oui. Pourquoi se cacher derrière ce truc anonyme? Ce que je viens de te dire. Je termine juste, pardon, et pourquoi traiter des gens de cons? Enfin, tu te rends compte? Mais tu l'as fait. Les mecs se réveilleront pas. Tu l'as fait. Non, mais moi, ça veut dire quoi? Je parlais des gracieux de la qualité. Les gracieux de la qualité, c'est ce que tu m'as dit. Mais tu as dit, moi, les mettre dans les positions, les sont C'est j'étais sur le cul. J'ai dit, putain, s'il me prend pour ça, on se connaît depuis trop longtemps, tu l'as souligné tout à l'heure. Moi jamais. On a deux cas différents. Toi, t'es dans ta logique, moi, je suis dans l'autre. Mais je te manquerai pas de respect. Pourquoi? Je trouve que t'es plutôt quelqu'un qui fait des choses. Ce qui s'est passé l'autre jour à la commune, tu vois, ça m'a pas fait rigoler. Ça, j'ai pas trouvé ça drôle que le président il vire le maire de notre commune, même si c'est pas, on va dire qu'on n'est pas copains, on va dire qu'on est ennemi un peu quand même. Mais si tu l'as dit, hein. Mais je suis le leader de l'opposition, c'est mon ennemi. Tu l'as dit. Et ça, t'as pensé ça, c'est, que voilà, bah, c'est la même chose que c'est les mêmes sources, on a les mêmes sources. Donc voilà. Mais trois points, moi je n'irai pas jusque-là. Moi je dis pas que t'es un con, je te respecte. D'abord, je t'ai pas con du tout d'ailleurs. On va vous parlez vous deux, mais là il y avait une façon de considérer tous les gens qui sont autour de ce projet qui est indignable. Non, mais sur une radio nationale, c'est indigne. Il n'y a pas que les crasseux, il y a toute une suite de propos qui est indigne. Je suis désolé. Mais j'ai repris les choses qu'on voit sur. Tu parlais des réseaux. Non, mais il n'y a pas reprendre. Mais alors, tu reprends n'importe quoi, sous prétexte que c'est. Oui, j'ai. Non, t'as parlé de toi, de ça, c'est tout. T'as pas dit, je répète, tu vas pas répéter un truc avec lequel tu crois pas, avec lequel tu n'es pas d'accord. C'est un citoyen qui travaille bénévolement, pour. Tu parlais de ceux-là, on parlait pas de ceux-là. Ceux qui travaillent dans les réseaux à la restauration, mais c'est pareil, c'est. Donc c'est des gens qui n'existent pas. Sauf que son plan ne marche pas, ce sera dépôt de bilan en 18 mois. Je veux dire, le truc, la caillitière, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit honnête. Mais là, tu sors du contexte. Moi, ce que je dis, c'est un restaurant aujourd'hui, il y a une étude de marché qui te mène à faire un restaurant. C'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas d'étude de marché. C'est un autre modèle. Mais non, mais on développe un modèle comme ça pour te faire plaisir, ou pour prendre le contre-pied d'un modèle existant. Mais si. Il s'appelle pratiquement pareil, McDonald's, tout ça. Alors, tout ça, c'est de la mentir. Enfin, moi, je suis un ancien restaurateur, je connais bien. J'ai présidé le club des hôtels et restaurateurs pendant 12 ans. J'ai assisté les gens à l'installation. Je vends des hôtels et des restaurants. J'ai les deux restaurants connus savants. Celui qui est mort et l'autre, j'ai aussi l'Orchidée qui s'en va à Draguignan. J'ai les deux à vendre. Voilà, donc c'est un autre modèle par définition. Mais c'est un autre modèle, je peux finir là. Il faudrait faire une étude de marché avant de le déclencher, avant même d'en avoir l'envie. Là, on part sur l'envie et après on poursuit le projet. On fait une étude de marché, il faut dire voilà, il faut aller chercher. Alors c'est sûr que si tout le monde est bénévole, mais ça marche. En tout cas, de toute manière, comme je vous l'ai dit, en termes d'agenda, on va être fixé prochainement là-dessus. Par respect pour toutes les personnes qui passent du temps, qui bossent, etc. Savoir raison garder, modérer ses propos, traiter des gens de crasseux, ça n'a pas grand-chose. Surtout comme l'a dit Pascal, tout le monde est là pour filer la main, réhabiliter ce truc. On a quand même, qu'on le veuille ou non, on a ces 4 hectares à gérer qui sont là. Bon, autant les réhabiliter, on sait bien, l'expliquer tout à l'heure, en termes d'urbain et tout, ça sera de toute manière atypique en fait des situations et du contexte local. Donc voilà, partir là-dessus. Maintenant, la justice a son agenda, on suivra en temps voulu, cassation, pas cassation, en fonction des éléments là-dessus. Voilà, pas mal. Mais du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, non, moi je ne vais jamais traiter de crasseux des gens qui vont manger dans telle ou telle enseigne. Au même titre que ce qu'on a dit ici, Marie en est témoin, vis-à-vis des personnels de l'Amérique, chacun mange ce qu'il veut et où. Il n'y aura pas de discrimination, de notes de fin d'année, c'est quand même qui signe à la fin pour les avancements de grade et tout. On va pas commencer à regarder les bagnoles sur les parkings, savoir qu'est-ce que tu manges pour dire si t'es un bon. Tu vois, on va arrêter le délire. Donc là, je pense, c'est peut-être le côté de passer sur France Culture qui France Culture, des en fait.
Mais bon, voilà, on se place tout là, on l'a tous entendu, et partagé, maintenant c'est fait. Est-ce que ça peut permettre à l'avenir de pouvoir traiter ce sujet bien délicat de façon un petit peu plus courtoise, si on peut éviter de s'envoyer des gros mots, des trucs. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que peut-être ça ne fera pas évoluer le sujet différemment, puisque tu es pour. Ça changera le contexte. Mais par contre, si on peut tous, toi, Richard et Greg aussi, si on peut tous continuer à traiter ce sujet de manière un peu plus courtoise. Ça change rien. La jeune femme de France Culture, elle est venue le lendemain des incidents que j'ai eu chez moi. J'étais dans un. Moi, je devais partir en formation à Montpellier. Ma femme n'a jamais voulu que je parte parce qu'elle n'avait plus dormir toute seule là-dedans. Bon, c'est un autre problème. Moi, je m'en fous, j'ai pas peur. C'est pas. Tant pis, si je prends un pruneau, je prends un pruneau. Bon, on verra bien. Depuis, ça s'est calmé avec toutes ces histoires parce qu'il faut quand même que je vous dise, tu pars de Crasseux, machin. Je reçois les appels téléphoniques à 1h45. Vérifié par les gendarmes de Saint-Pierre. Je reçois des appels téléphoniques à 3h, 4h du matin. Ça respire, ça parle pas. Ça respire. Mmh. Alors je dis, alors qui vous êtes? Bah, viens à la maison, je te paye un café, tout ça. Moi, je suis un peu agacé, je suis prêt à ce qu'ils viennent chez moi, à voir à ce qu'on en vient. Voilà, qu'on discute vivement. Bon, et puis après, 3-4 fois dans la nuit, donc c'était aux alentours de je revenais de vacances, aux alentours du pet qu'il y a eu dans les vitres, du sac de McDo qui était dans le jardin et tout. Avec moi, c'est ma femme qui a eu peur quand elle a vu ça, parce que moi, le trou dans la vitre, c'était une semaine après, j'ai pas voulu communiquer là-dessus, parce que je dis, c'est prendre trop d'honneur à ceux qui ont fait ça, genre, non, je l'affaire. J'ai cru à un moment donné que c'était les mêmes gens qui avaient tiré dans les cars. Mais les cars sont tirés avec des petites billes, ça fait des petites fentes, que là, c'est pruneau 9 mm. Et puis, le service balistique de La Rochelle qui sont venus, quand les flics sont venus, ils ont vu que c'était gros trous, ils ont fait avec un laser, ils ont vu que le type, il a tiré, il s'est mis à 2,50 m dans l'arbre en face, dans le champ d'en face de chez moi. Donc, il est monté quand même dans l'arbre. Donc il n'y a quand même pas intention de nuire, intention de faire chier, mais c'est quand même grave. Là. Et surtout que c'est la chambre où Isabelle a fait son linge. Enfin, c'est la chambre d'amis, mais c'est là où il y a la barre pensée, elle est juste derrière la vitre. Alors c'est vrai que ça a traversé la première vitre, ça a tapé sur la vitre du fond, et c'est rebondi dehors. Parce que moi, dans ma maison, comme je suis, j'ai plein de volets, je suis un peu feignant, j'ai fait mettre toutes les vitres en anti-effraction. Comme ça, je ferme pas les volets, tout reste ouvert toute l'année, qu'il pleuve, qu'il grêle, je laisse tout ouvert. Bon, ben, ça a eu pour effet que ça a freiné la balle. Elle a pas tout pété, elle est ressortie, elle est sortie dehors. Voilà. Et c'est vrai que France Culture, c'était à 11h, on était là, elle a voulu qu'on se fasse la bise tous les deux, tu sais, j'étais particulièrement agacé, c'est cette fille-là. Donc moi, je voulais pas, elle a insisté, moi je sortais de chez les flics et tout, et puis bon, voilà, j'étais dans ce contexte, on n'avait pas. Voilà. Depuis, c'est calmé, c'est vrai que, mais là, ça a été beaucoup trop loin, je me suis senti agressé, là, c'était chaud. Non, mais ça, c'est une musique, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, Isabelle, elle arrête pas de s'appeler, là, toi, Isabelle, arrête pas de s'appeler, là, ça arrête pas de vibrer, parce que là, c'est tard, voilà, bon. Faut se mettre à la place des gens aussi. Moi, je m'en fous un peu, mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins. Ma mère, j'y vais, voilà. Bon, depuis, il n'y a plus de bruit. C'est vrai que les médias, pour une fois, ça a eu un impact positif en ce qui me concerne. On m'appelle plus la nuit, on ne balance plus, on ne tire plus dessus, tout va bien, quoi. Bon. Si ça peut rester comme ça, ça va bien. Très bien. Yes, juste avant qu'on se quitte les uns les autres, vous dire pour votre info que on a rendez-vous avec la communauté de communes le vendredi prochain, le 9 à 10h, avec Dominique Bousseau pour le fameux plan de négociation là, qu'a présenté le président de la CDC par rapport aux sous qui ne viendraient pas par le DDP. Donc là, je suis incapable de vous dire comment ça va se boutiquer cette histoire, mais bon, voilà, je vous tiens au courant. Donc, que vous sachiez bien, suite à ce qui s'est passé à la CDC, donc moi je ne suis plus en charge du développement éco, Massico m'a retiré la délégation, et par contre je suis toujours vice-président de la communauté de communes. Voilà, pour l'instant. Voilà, à plus près. Tu démissionnes plus, donc, du coup. Non, ben non, parce que j'ai été réélu, tu étais, j'ai 25 voix. Mais il avait dit que les 23 voix à compte. Bah, j'ai moi, pas, c'est j'ai pas compris là, ta situation, Greg, parce que. En pleine réunion, tu dis que tu démissionnes, tout ça, et donc, parce que Massico, il t'a pas
il a été clair, il ne t'a pas viré de la vice-présidence. Au contraire, il a fait un appel, j'étais là pour voir ce qui se passait, je sais pas, il a fait un appel à tous les élus pour que tu maintiennes ta vice-présidence. Et là, il a été clair. Donc, tu n'avais pas, toi, à dire « je démissionne ». Là, j'ai pas compris. Non, mais tu as dit que tu démissionnais. Et après, tu fais passer dans le journal comme quoi tu démissionnes. Alors, pas. C'est que ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai lu. J'étais là. Oui, j'ai entendu. J'ai lu un texte qu'on avait validé ensemble la veille. Donc moi, j'ai lu, j'avais validé. Ensuite, lui, quand il a pris la parole, il a dit je souhaite que le maire de Dolus reste vice-président. Il a dit bon, bah, très bien, ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, moi, je vous lis ce que nous, on a validé ensemble. Et après, il y a eu le vote. Si dans le vote, si tu veux, il y avait eu 25, l'inverse, c'est-à-dire 25 contre, 3 pour que je reste et 3 abstentions, le truc aurait été bouclé. Là, comme tu as eu 25 qui ont voté pour que je reste, 3 qui ont voté contre, pour moi, d'ailleurs, moi, je te l'ai, au bout de mon raisonnement, deux autres, je me disais, et 3 qui sont abstenus, je suis resté vice-président. C'est pour ça que ça s'est fait, en fait. C'est pour ça qu'après, j'ai envoyé la précision aux uns et aux autres pour dire, voilà où on en est maintenant. Et ensuite, ce qu'on va faire dans la durée, valider justement avec les équipes de la CVC, c'est que si on sent qu'il y a des moments où ça repart en friction là-dessus, plutôt que de mettre de l'attention, c'est Nicole en tant que première adjointe et qui est également élue communautaire, qui remplace ce que font d'ailleurs Michel Parent et Michel Mabert au château. Et ce qui, d'ailleurs, de mon point de vue, n'est pas du tout débile sur une gestion de long terme de la CVC, plutôt que d'avoir une seule personne qui siège au bureau, plutôt un binôme, comme ça, les moments où ça. Tu vois, après, c'est l'histoire de personne, quand même. Ouais. Ça sert à rien de. Tu les as provoqués un peu, quand même. Je dis que tu l'as provoqué un peu, Massico. Alors là, honnêtement. Oh, ben si. Il t'a dit qu'une fois ça va, après, il t'a dit deux fois je te tire les oreilles, et puis voilà, mais tu as dû. Je sais pas, hein. T'as dû l'astiquer quand même. C'est qu'il y a deux trucs différents. C'est qu'à un moment donné, qu'on soit d'accord ou pas sur ces politiques, ça fait partie du jeu. Tu votes, t'es pour, t'es contre, etc. J'ai regardé vite fait. On a voté Dolus, de manière générale, moi le premier, plus de 98% des délibérations qui sont passées à la communauté de communes. Tout sujet confondu. La concession avec les chiens, les fameuses bornes électriques, tout. Les deux seuls trucs sur lesquels on était d'accord, on s'est opposé, c'est le fameux droit départemental de passage et la maison paysanne, dès le début, pour des raisons diverses et variées. Quant sur la méthodologie du droit départemental de passage, ce que j'ai expliqué au président de la CDC, c'est qu'on avait l'occasion là de faire un boulot de grande ampleur pour réfléchir avec les collègues du pays Marais d'Aveyron sur la question des mobilités. Et ça, je trouve intéressant. Ça, du coup, on ne l'a pas fait parce qu'ils ont voulu passer en force. Après, ils se sont fait en papaouté, parce que, qu'on le veuille ou non, Massico, ad vitam aeternam, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le mec qui, à la belote, avait 9 as, 10 valets tournants et 2 as. C'est ça, hein. Il a perdu. Quand tu prends n'importe quel joueur de belote avec ça, même sans se foutre de sa gueule, juste en rappelant le contenu des cartes au départ, un truc qui ne va pas. Mais après, une fois que ça s'est fait, c'est dit. Le reste sur les enjeux de la CVC, ils sont plus importants qu'une querelle de personnes. Ouais. Enfin, moi, j'étais de ton côté, dans la mesure où je faisais partie de l'association, j'étais contre le péage du pont, hein, je le dis tout de suite. Parce que je trouve qu'il y a peut-être moyen de trouver des financements, en l'occurrence, tous les parkings. Moi, tous les parkings payants, je suis fanat. Mais par contre, quand tu. Et c'est là que je veux dire que tu l'as tiré et tu as un petit peu agressé tes collègues, c'est quand tu dis la pauvreté intellectuelle des débats. C'est là que tu l'as vexé. Non, mais c'est là que tu l'as vexé. Sur ce sujet, voilà. C'est qu'à partir du moment où on se dit, on a l'occasion, nous en tant que communauté de communes, de participer avec les collègues de la communauté de Marraine, plus ceux de Rochefort, ceux de Royan, à une préétude pour réfléchir à l'intérêt de rejoindre, de fabriquer un parc naturel régional autour des Marais. C'était ça le sujet, ouais, à l'époque, hein, au mois de novembre. À ce moment-là, là-dessus, le président de la CDC, quand il le présente auprès des 20 élus communautaires, on n'était pas beaucoup, hein, mais je ne sais pas qui était tout ce soir-là, il n'y avait plein d'absents. On n'était que 20 sur 35.
Et ça a été présenté comme, alors là encore un nouveau truc qui nous tombe sur le museau, après la réserve, le machin bidule, maintenant le PNR. Genre, encore un plan de vallée pour s'en sortir par le haut. Du coup, présenté comme ça, 19 contre, on n'y va pas, oui. Deux qui ont voté pour, Lynn, qui était toi sur la quoi. Ouais, toi qui étais. Mais il y a déjà eu le parc régional marin qui en fait, devait être sur la Bretagne. Les Bretons, ils ont foutu le bordel, ils n'ont pas voulu être impactés par ça. Comme ils avaient tout été prêts, ils m'ont fait glisser chez nous. Ça nous est arrivé et tout. Oléron, les élus à l'époque, on était plutôt favorables. Bassin de Marane, plutôt réservé à l'époque, parce qu'il y avait quand même des contraintes. Enfin, c'était une couche de plus, parce qu'il y a Natura 2000, il y a la loi littorale, il y a le classement, il y a la réserve de Moine, il y a le parc naturel. Et à force de mettre des couches de millefeuilles, à un moment donné, tu n'arrives plus à avancer, circuler, tu n'as plus le droit de faire grand-chose. On est quand même aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de se protéger comme, ça, comme il y a 100 ans, où les gens ils faisaient n'importe quoi, ils construisaient n'importe quoi sur le bord du... Aujourd'hui, voilà, les gens, on réfléchit, on ne le fait pas, ça passe en commission d'urbanisme et tout, voilà. On réussit quand même. En vraiment, et en fait, si tu veux, parce que quand j'étais appelé... naturellement, ce qui a mis le bazar, tout est tombé à l'eau. C'est 5 lignes dans le sud-ouest. Oui, mais parce oui. Que moi j'ai été appelé le lendemain. Pourquoi tu n'as pas dit en face de faire ça, de mettre ça dans le journal. C'est là que j'ai pas mis ça dans le journal. Moi, c'est pas moi qui ai appelé Sud-Ouest pour dire mettez ça dans le journal. Après que Sud-Ouest m'appelle le lendemain, exactement ce que Philippe disait tout à l'heure, le lendemain du truc. Donc, moi je lui dis, moi ça me saoule qu'on soit ensemble dans cet outil qui est la communauté commune et que quand on a l'occasion d'y réfléchir, on n'y est pas. Et que ça, du coup, c'est une sorte de pauvreté intellectuelle. Et moi, ça me gêne. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Alors ensuite, le président a tourné ça comme c'est une agression, vous faites, à tout le monde, vous traitez tout le monde de con. Parce que si j'ai envie de traiter quelqu'un de con, j'ai pas besoin de toi. Et après, si je l'ai dit ou je l'ai pas dit, avec les gens, on en discute, on en parle. Mais ça, cet argument-là, tel qu'il a sorti et présenté, ce que je lui ai dit quand on s'est vu une semaine avant avec Nicole, on y était tous les deux, Christophe Sueur et lui, ensemble. C'est ce que j'ai dit au président de la CSC. J'ai dit, si t'es pas d'accord avec moi, parce que dans ce type de rendez-vous, d'abord, on se tutoie. Donc j'ai dit, monsieur le président, si vous supportez pas qu'on soit pas d'accord avec vous, j'ai dit, mais dans ces cas-là, on arrête de discuter, virez-moi de suite. Parce que j'ai pas été d'accord avec vous avant, je l'ai dit, je suis pas d'accord avec vous maintenant pour un sujet, je le dis. Si demain je suis pas d'accord, je vous le dirai. Si ça c'est insupportable, vous cachez pas derrière le petit doigt ou je sais pas quoi, foutez-moi dehors et justifiez-le par ce que vous voulez. Tu vois, mais qu'on soit. Par contre, maintenant, ta position à la CBC, n'ayant plus de délégation... Ah ben, je suis le réceptacle de tout ce qui ne va pas dans l'île avec la CBC, je peux dire que... Ouais, c'est ah, j'ai une belle... C'est un handicap. C'est en colère. Pourquoi c'est un handicap? Je sais pas. Un handicap, parce que... Bah, si tu n'as plus de délégation, quelle est ta position là? Ah ben, je participe au bureau, au vote, comme un conseiller communautaire. Moi, le seul truc qui m'emmerdait sur la délégation, le fait, ce que j'avais demandé quand on avait fait le rendez-vous, c'est qu'ils ne me l'aient pas laissé jusqu'à la fin du mois de juin, parce qu'on a entamé des gros boulots sur les questions agricoles, et notamment avec le recrutement d'un ou d'une stagiaire, je ne sais plus, en droit, pour travailler sur ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique, pour faire en sorte que les terres enfrichées repartent dans le monde agricole, ou pour du maraîchage ou de l'élevage. Il s'agit de ça, parce que ça demande vraiment du temps pour le suivre. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, au moment où j'ai un peu élevé la voix, c'est quand il a dit « Je reprendrai la délégation au DEVECO », il s'est dit « Mais non, c'est pas possible, vu votre agenda déjà, monsieur le Président, rajoutez, parce que c'est les temps de réunion du DEVECO, si tu peux le faire, pour de vrai, bien accompagner tout, là, enfin, je veux dire, mécaniquement, enfin, sauf si tu dors plus... Bon, rigolo. Bon, puisque j'aimerais bien, c'est que par rapport à tout ce feuilleton médiatique qu'il y a autour de l'affaire qui me concerne, j'aimerais qu'on fasse une pause, comme tu l'as dit tout à l'heure. On attend, le jugement c'est dans pas longtemps, c'est au mois de juin, donc on peut bien faire une pause, parce que c'est vrai que le feuilleton médiatique ça attise la haine, ça se transforme en violence, j'en ai été victime, jamais qu'on arrête, la chasse est fermée, qu'on arrête de tirer dessus, voilà, en gros c'est ça. Voilà. Qu'on retire les permis de chasse et que, voilà, je sois plus obligé de. Oui. Hein si vous voyez un peu sur Facebook, toutes les conneries qui sont dites sur Facebook, il faudrait aussi les nettoyer. Parce que toi, c'est bien, ça, tout seul. Mais Facebook, moi, je ne maîtrise pas. J'ai jamais géré. Oui, non, mais. Le problème, c'est que ce sont des gens sans enfants. Ah oui, merci, ouais. Donc, c'est qui c'est derrière ça, aussi.
Ouais, mais ça, c'est de la politique. Après, c'est... après ouais. Pour un code, est un tour comptable, il faut arriver à cette tour. Moi, je ne l'ai pas au Facebook, ça marche bien. Moi, je ne l'ai pas au Facebook, je m'en sers vachement bien. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Moi, j'ai une page professionnelle, mais je vais choisir. Mais c'est cher, ça l'attire, mais il y a plein de gens qui n'ont plus d'idées. Ça fait monter la tête. Si tu as envie d'aller regarder des films dangereux, si tu as envie d'être libre à toi, de te diriger vers des sites à la fois. Ça n'a été pas forcé. Ah oui, il y a quelques beaucoup de lacunes. Ok, notez bien, le prochain conseil sera pas lundi, parce que c'est le 2 avril. En Mordo, de préférence, pour Michael. En Mordo. Ils sont prévus depuis longtemps, les conseils. Ouais. Donc, il est dans Daniel, j'aimerais mon pouvoir animer. Avec le personnel qu'il aime, ça, ça aussi, il faut le faire. Alors, c'est bien. Oui, oui, alors c'est ce qu'on essaie de checker à Max, notamment. Là, c'est comme chaque année, pour les budgets, comme Maryse le répète, on a jusqu'au 15 avril, pour surtout que nous, on ait la délibération du conseil, et ensuite qu'on ait le retour de la sous-préfecture. Donc ce sera le mardi 3. À 20h. J'ai demandé, Maris, pour la fois, mes convocations par la poste ou peu importe, parce que, je parle à Patrick Lemaitre, parce que je reçois parfois des mails, Maria m'en envoie, je les reçois, et là j'ai pas reçu les convocations sur mes deux, que ça soit à ma cabane ou chez moi, je les reçois pas. Tu peux dire de quel tu sais chez moi. Non, pas la cabane. Non, non, mais c'est fini. Donc, je voulais parler à Patrick Lemaitre parce que je suis intervenu auprès de Laurent Dumont et qui j'arrivais pas à voir, il était en vacances. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit putain, d'ailleurs, je t'ai envoyé un mail et je t'ai expliqué pourquoi. Donc, je n'avais pas reçu le mail. C'est quand même, moi je parle parce que tu es responsable et adjoint, il faut leur mettre la pression parce que, bon, Laurent, si tu veux, il a fait son boulot avec, Claire Chanel, hein, ils ont été contents de mettre tous ces abribus pour leur pub, mais et là ça fait 2 mois. Et 2 mois, j'ai vu ce matin encore des grands-mères qui vont, Béatrice, peut-être là dans les parties, des grands-mères qui ont apporté des petits gamins de 3 ans. Quand il pleut pas, ça va, mais c'est pas. Alors là, faut mettre le paquet, faut leur dire. Alors Laurent m'a dit, j'ai prêté un abribus à Saint-Denis, je vais essayer donc de le reposer. C'est ce qu'on s'est dit, parce que si ça avance pas très clairement avec eux, c'est parce que c'est là où on en est. Mais c'est honnêtement, là, on parle de Claire Chanel, le SDR, laisse tomber. Elle m'a expliqué, ouais. Mais c'est trop nouveau, ça. Non, mais. Et l'hélice. Attends, et l'hélice.